Bonsoir à tous, bienvenue pour cette 7e masterclass FFE de la saison 2020-2021. Si vous ne connaissez pas les règles du jeu d'échecs, n'hésitez pas à aller les apprendre avec les petites vidéos dynamiques qui sont en lien dans la description. Mais vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir le jeu d'échecs et à vous passionner sous l'impulsion conjointe des confinements de 2020 et de la série Netflix Queen's Gambit. Je suis Sylvain Ravaux, entraîneur et maître FIDE, et j'ai le plaisir de vous présenter cette masterclass en compagnie de l'entraîneur et maître international Antoine Favarel. Bonsoir Antoine. Bonsoir à tous. Salut Sylvain. Ça va, t'es en forme? Ça va, toujours confiné, malheureusement, mais Ah, ça va. c'est pas la fin, hein. C'est pas la fin. Donc on continue, on a la chance avec les échecs de pouvoir continuer des activités en ligne, de pouvoir continuer les masterclass. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà sur le chat. Salut notamment Ludovic. Je crois que c'est celui qui se cache derrière le pseudo Ludo Chess qui fait du super job pédagogique du côté de la côte ouest, si je ne m'abuse. Bonsoir à Camille, Adrien, Thierry, un fidèle parmi les fidèles qui nous dit je viens juste dire bonjour. Eh bien c'est sympa. Thierry qui regardera en replay. Bonsoir à Catherine également, une habituée. À Skip qui, d'ailleurs, je profite pour le remercier pour le chapitrage qu'il avait fait depuis assez longtemps, en fait, hein, dans les commentaires des vidéos FFE, à quel timing commençait chaque chapitre. Et je m'en suis servi à quelques occasions pour que ça devienne le chapitrage officiel maintenant, hein, c'est ce qui est pratique dans les masterclass FFE. D'ailleurs, que vous pouvez tout retrouver hein, dans le lien qui est dans la description, vous avez les 35 masterclass FFE précédentes et même elles sont indexées par thème, donc n'hésitez pas à aller voir l'index également si vous cherchez quelque chose, qu'il s'agisse d'ouverture, de stratégie, de tactique ou de finale. Bonsoir Noshad qui nous dit que ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu. Ah, c'est Cognac, Ludovic. Ok, ça marche. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est quand même une date très spéciale aujourd'hui. On est le 19 mars 2021 et ça fait exactement 100 ans que la FFE a été créée en mars 1921. Voilà, et à cette occasion, eh bien, il y a une superbe exposition que je vais vous montrer sans plus tarder. Et ensuite, je vous montrerai le sommaire de la soirée. Donc, sommaire de la soirée, plutôt, on va commencer par là. On commence par le commencement, le sommaire. Voilà. Donc, un mot rapide sur le centenaire de la FFE avec cette exposition que je vais vous montrer sur l'écran dans quelques instants. On salue l'échiquier haut alpin de Gap. JP de Nancy, Simon, un fidèle également. Bonsoir Simon. Et Skip qui est à La Réunion. Ben, on salue La Réunion et tous les départements d'outre-mer. Voilà, et donc ensuite, Antoine, on a du pain sur la planche parce qu'on s'est fixé une mission très ambitieuse. On s'est dit qu'en une masterclass, on allait vous présenter à la fois un répertoire pour jouer avec la Nimzo indienne. Et puis une présentation générale de la défense est-indienne qui sont deux énormes défenses pour les noirs contre D4. Voilà, donc ce sera le menu de la soirée. Ces deux grandes ouvertures, on espère que ça vous donnera le goût pour aller plus loin, pour aller étudier, que ce soit du côté des blancs ou des noirs d'ailleurs. Voilà, c'est assez passionnant d'étudier tout ça, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Allez, eh Essayer qu'on bien. déborde un tout petit peu, effectivement. Oui, c'est pas à exclure, vu qu'on va parler Pas à d'ouverture pendant exclure. les deux. Nos deux chapitres sont des chapitres d'ouverture et que c'est ce qui prend souvent beaucoup de temps et le temps d'expliquer les idées, les schémas, les différentes possibilités, beaucoup de possibilités différentes pour les deux côtés. C'est pas à exclure qu'on déborde ce soir, mais si vous devez partir sur le coup de 21h, eh bien ne vous inquiétez pas, puisque bien sûr vous aurez le replay accessible. Bonsoir à Olivier, Prima, le club d'échecs, Grand Dreams. Ah, Grand Reims. Grand Reims. Voilà, Je les c'est plus salue. facile. Et c'est de ton côté, Antoine. Ouais. Oui, effectivement. Alors, l'exposition. Allez, je vous montre tout de suite. Donc, tac. On va enlever le sommaire. Où est-ce qu'il est, ce sommaire? Hop, voilà.
Alors, vous allez sur le site de l'FFE, et là, c'est le premier article. Bon, ben, c'est normal, hein, on est en train de fêter le centenaire, là, pile en ce mois de mars. A été fondée le 19 mars 1921, vous voyez en dessous. Et donc vous avez déjà un premier diaporama avec plein de documents historiques. Donc le bulletin numéro 1 de juillet 1901. Et oui, avant la fédération. Enfin, c'est la loi de 1901. La loi de 1901 et donc création 1921. Et donc là, on a le premier bulletin. Alors je vais vous mettre lecture. Voilà, c'est mai-décembre 1921, le premier bulletin. Mai-décembre. Alors là, vous pouvez voilà, soit mettre la pause hein, sur le diaporama, là ça s'enchaîne. Je ne sais pas si j'ai une option pour régler le temps. Je vais plutôt le faire en manuel parce que j'ai l'impression que ça va un peu vite. Voilà. Le premier champion de France, Georges Renaud. Alors, donc un grand merci à tous ceux qui ont contribué à cette exposition. Alors vous allez voir que là, il y a juste un diaporama de 49 documents, mais en dessous, il y a des expositions et des articles encore sur différentes thématiques, sur plein plein de thématiques différentes. Donc je vous invite vraiment à l'explorer ça, c'est passionnant. Et donc un grand merci à tous ceux qui ont contribué, et notamment Héritage Échec FRA. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce site qui répertorie beaucoup d'archives échiquéennes. Voilà, héritage d'échecs français. Donc on a le troisième bulletin de la FFE, c'est 1922. Partie d'échecs vivants, 1923. L'affiche du championnat de France, Strasbourg 1924. Avec la cigogne. On a les participants du championnat de France. Voilà, donc le classement. Il y a Chéron, Crépeau. La championne de France, c'était Marie-Jeanne Frigard. Le deuxième bulletin, 1922. Alexandra Lekin, et oui, qui avait pris la nationalité française. Et qui a joué pour l'équipe de France aux Olympiades. D'ailleurs, on va voir, je crois, des photos de l'équipe de France. Ouais, équipe de France lors de la première Olympiade officielle en 1927. On notait que 1927, c'est également l'année du premier championnat du monde féminin avec la victoire de Vera Menchik. C'était en marge de ces Olympiades-là. Championnat de France féminin 1927, justement, toujours la même année 1928, avec Alekhine et Gibaud. Voilà, championnat de France féminin également, avec Schwartzmann, je crois qu'elle a gagné plusieurs fois championnat de France 1932. Voilà, donc je vous laisse aller découvrir tout ça, mais surtout je vous montre qu'en dessous, vous avez donc Bouteville qui a été 6 fois champion de France, si je ne me trompe pas, César Bouteville. Là, c'est 1943. Alors en dessous, donc ça, c'est un petit diaporama, voilà, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. Et en dessous, vous avez vraiment beaucoup d'articles. Parce que, regardez, un long chemin vers la Fédération française. Voilà, et c'est Jean-Olivier Lecomte qui s'est occupé de cet article. Et je crois qu'il l'a aussi fait paraître en anglais sur le site de la FIDE. Voilà. Notez que la Fédération française a été créée avant la FIDE, hein, si je ne me trompe pas, qui est en 1924, la FIDE. Donc, on est antérieur. Et voilà, donc regardez, je vous montre un peu. Et puis après, ça continue. Cliquez, lire la suite. Voilà, les articles FFE qui sont limités en taille. Hein, donc, parfois, quand il y a des longs articles, faut cliquer plusieurs fois sur lire la suite. Donc, ça, c'est le premier. Et alors, bon, voilà, vous avez des superbes articles, comme par exemple sur Roger Ferry, ce grand monsieur héros du championnat de France. Vous avez même la vidéo d'un des derniers championnats de France, Georges Renaud, Robert Crépeau, voilà, l'histoire de la FFE jusqu'à 2009. Un mot sur Philidor. Vous avez la création de la FIDE justement à Paris 1924, les championnats de France, les années 30, 40, 50, voilà, on avance, les championnats féminins, Chantal Chaudet de Silan, Alekhine, les présidents de la FFE, le problème du cavalier. Et voilà, avec tout ça, ben, je crois que vous êtes pas mal pour aller plonger dans les archives de ces 100 ans de la FFE. Bonsoir Fitches, tu n'as rien raté à part l'introduction, le sommaire et voilà ce petit cette très courte présentation de ces expositions qu'on vous invite à aller voir. Et donc nous maintenant on va revenir ben, à ce qui nous passionne, c'est le jeu d'échecs en lui-même. Et on va, parce qu'on est des joueurs d'échecs, donc on est incorrigible. Donc au lieu de prendre le plus de temps pour bien regarder l'histoire, etc., on va tout de suite remettre un échiquier pour explorer des variantes. Alors, hop. Voilà, alors le sommaire, c'est une heure de Nîmes indienne avec Antoine et ensuite une heure d'Est indienne avec moi. Voilà. Il est simple, le programme de la soirée.
Mais on a fort à faire. Alors, je vais mettre tout de suite que on va commencer par la Nimzo indienne. Là-haut. Nimzo indienne. Voilà. Et puis, on enchaînera d'ici à peu près une heure sur l'Est indienne. Alors, Antoine, tu as décidé de faire découvrir cette défense dans cette masterclass. Oui, alors je suis ravi de pouvoir la présenter parce que moi-même, c'est le répertoire que j'emploie maintenant. Enfin, maintenant, je joue plus beaucoup en ce moment. Déjà que je jouais pas beaucoup et ben, il y a moins de compétition, évidemment. Mais c'est le répertoire que j'ai en principal et que je suis assez heureux de pouvoir vous partager. En fait, j'aimerais remercier du coup mon ancien entraîneur Mathieu Cornette qui m'avait montré les joies de la Nimzo indienne au moment où justement je cherchais un répertoire efficace contre D4. J'étais pas forcément très à l'aise, j'avais pas des résultats très très bons. Et au fur et à mesure, en travaillant cette ouverture, j'ai appris à apprécier, à rencontrer le coup D4 au premier coup, entre autres parce que j'étais à l'aise dans les défenses de Nimzo indienne. C'est une ouverture qui est assez efficace, qui peut être assez théorique. Il y a beaucoup de choses, bien sûr, c'est très riche, mais l'avantage, c'est que beaucoup de structures se comprennent plus que s'apprennent par cœur, on va dire. Une structure, on sait à peu près comment la jouer. Il n'y a pas forcément que des lignes tranchantes. Après, bien sûr, dans certaines défenses Nimzovic, vous pouvez décider de jouer des lignes beaucoup plus concrètes, bien sûr. Mais il y a pas mal de lignes qui sont assez simples positionnellement. Et je me suis dit que mon rôle ce soir, c'était d'essayer de vous présenter des lignes qui ne sont pas forcément si théoriques que ça. Au moins vous présenter un répertoire relativement simple à apprendre sur cette défense. Donc j'ai fait une sélection intéressante. Pour commencer, je voulais vous montrer une partie assez thématique qui avait été jouée par Nimzovic. Je me suis dit, bah, on va le mettre à l'honneur puisque la défense porte son nom. Donc voilà. J'avais lu que ça avait été joué pour la première fois en 1914, quelque chose comme ça. Et je crois que c'était même pas Nimzovic qui l'avait joué pour la première fois. Mais après, peut-être Nimzovic l'employait beaucoup plus régulièrement. Et c'est ce qui fait que ça a porté son nom. L'un des intérêts de jouer la défense Nimzovic comparé à un gambit-dame classique, c'est qu'on garde un Donc, gambit-dame avec D5. Comment? Pardon? oui, c'est cette position qui Ah caractérise oui, pardon. la Nimzo indienne, et effectivement que ça porte le nom de Aaron Nimzowitsch, ouais, et que ça fait partie des ouvertures modernes ou hyper modernes, puisque les Noirs, comme tu étais en train de le dire, Antoine, avant que je te coupe, n'ont pas mis de pion en D5 pour contrôler le centre, ils contrôlent avec le cavalier, et maintenant ils contrôlent avec le clouage du fou. Exactement. Et on garde du coup plus de souplesse au niveau de la structure de pion. Parce que l'une des idées pour les noirs, c'est de se dire, à un moment donné, le coup D5 peut être joué, mais il n'a pas été joué trop tôt. Et ça permet justement au pion, à la structure noire, de s'adapter en jouant soit C5, soit D6, E5, soit D5. Et en fonction du schéma adverse, la structure de pion des noirs, plus élastique ici, peut s'adapter. Donc c'est une des idées assez intéressantes. En plus, on accélère le développement de l'aile roi. Donc on peut vite mettre le roi à l'abri, ce qui donne aussi des options parfois dynamiques pour ouvrir le jeu, jouer une avance de développement aussi. Je rappelle aussi que fou B4, quand même, l'idée principale, c'est quand même de chercher à doubler les pions. On a une menace positionnelle assez forte quand même hein, avec les noirs. C'est l'affaiblissement d'une structure sur le long terme. Donc c'est une ouverture qui... Désormais est quasiment incontournable chez les grands maîtres. Je veux dire, quand tu dans ton répertoire sur D4, tu joues très probablement la Nimzo, pas que, mais voilà, Ouais, en la fait, Nimzo est. cette position, pardon, juste après deux coups qu'on rencontre très majoritairement au niveau du top mondial quand les parties commencent par D4. Donc, effectivement. Et d'ailleurs, les blancs qui n'aiment pas trop accepter l'entrée dans une Nimzo indienne avec ses trois fous B4 et qui jouent la plupart du temps cavalier F3, si je ne m'abuse.
Ou encore G3, voilà, effectivement, il y a Donc plusieurs G3 idées pour éviter, effectivement. pour éviter, voilà, G3 qui introduit la variante catalane, et cavalier F3, d'ailleurs, c'est bien que tu en parles, on peut mettre à l'honneur une ouverture qui est très proche, la bogo-indienne, par exemple, avec fou B4, échec, avec possible transposition si l'adversaire venait à jouer quai C3. A priori, c'est quelqu'un qui joue cavalier F3 peut avoir envie d'éviter la ligne bleue, c'est pas pour jouer quai C3, Normalement, il va mais plutôt c'est faire pas fou D2 au cavalier D2. ou D2 qui est quand même le plus courant au cahier des deux, avec des ouvertures assez proches. C'est d'ailleurs une recommandation si vous voulez jouer la Nimzo, c'est assez Comme cohérent de un répertoire. remettre le fou Oui, B4. donc c'est l'occasion de dire que voilà, si vous voulez un répertoire complet avec les noirs, la Nimzo indienne toute seule ne suffit pas pour jouer contre D4, même contre D4 C4, ça suffit pas. Après, il y a aussi encore le système de l'ombre, etc. Plein d'autres systèmes, enfin quelques autres systèmes plutôt. Mais déjà là, effectivement, il faut être prêt à affronter cavalier F3 et G3 si on veut avoir un répertoire complet. C'est l'occasion de dire que sur cavalier F3, puisqu'on va parler de l'Est indienne tout à l'heure, ici il y a également l'option de jouer l'Ouest indienne, donc de l'autre côté, avec le fou qui voudrait se mettre sur B7. Voilà. Donc ça, c'est une question de répertoire plus général. Mais dans cette masterclass, on va parler seulement de la Nimzo indienne, parce que c'est déjà bien assez. On s'est dit que c'était assez de boulot. Ouais. Alors, du coup, cette partie de Nimzowitsch, il a joué fou B4, son adversaire a joué cavalier F3. Et du coup, Donc il jouait contre là, Matisons, ouais, en 1929, il jouait contre Matisons, ouais, ou Matisson, je sais pas si le S est parasite ou pas, mais voilà. Et du coup, il a échangé. Visiblement, Nimzowitsch était assez friand d'aller doubler les pions quand il le pouvait. Alors, c'était d'autant plus intéressant de nos jours avec des ordinateurs. Il y a des idées concrètes qui permettent des fois de rendre la tâche plus difficile aux noirs si on venait à doubler les pions trop vite. Mais à cette époque, c'était peut-être une valeur sûre parce que l'adversaire, il suffisait qu'il soit un peu imprécis pour que ses faiblesses durables leur coûtent des fois la partie. Donc là, cette option, en fait, est tout à fait correcte d'un point de vue théorique et serait ma recommandation pour un répertoire relativement simple sur la Nimzo. C'est ce que j'ai mis d'ailleurs dans le répertoire qui sera justement fourni dans la base de données. Ouais, donc c'est Et l'occasion pour moi de dire deux choses, ouais. Donc effectivement, dans le temps qui nous est imparti, on n'a évidemment pas le temps de vous montrer tout ce que vous devriez savoir pour jouer ces ouvertures. C'est pas vraiment l'objectif. Par contre, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous allez carrément avoir du matériel après supplémentaire dans la base PGN qui est fournie à chaque fois avec chaque masterclass. Donc n'hésitez pas à aller creuser ces questions. Il y aura aussi des parties, plein de parties qu'on n'aura pas le temps de montrer dans cette vidéo, mais que vous pouvez aller voir de votre côté pour aller creuser ces questions d'ouverture. Et la deuxième chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'il est encore temps de partager la vidéo. Voilà, je profite de l'arrivée de Lucas qui dit j'ai raté le début, j'arrive seulement maintenant. Eh bien, c'est pas très grave car on n'a pas encore vu beaucoup de choses. C'est notre premier exemple et on n'est qu'au cinquième coup. Donc, le raté est maigre. J'ai surtout parlé voilà, du centenaire de l'AFF au début et fait l'introduction. Et donc, c'est encore temps pour vous de partager la vidéo pour faire venir du monde. Et de toute façon, ceux qui ne peuvent pas venir ce mettre les soir, eh pouces bien, bleus. ils pourront la voir en replay. Donc voilà, les pouces bleus, c'est aussi bienvenu pour la chaîne. Les abonnements, si ce n'est pas déjà fait. Et puis les partages, surtout bah, pour faire connaître ces deux énormes ouvertures. Et c'est sûr et certain que ça va intéresser des joueurs, que ce soit la Nimzo ou l'Est indienne, ou les deux. Et voilà, j'ai fini ma petite parenthèse. Et donc oui, tu conseilles éventuellement de prendre tout de suite pour doubler directement le pion, comme ça c'est fait. Il a joué Ben D6. voilà, je pense que c'est un bon choix pratique. Il y a eu D6, c'est un choix pratique intéressant parce que les blancs vont devoir justifier cet affaiblissement, jouer un peu plus précis. Ils sont un peu plus en danger stratégiquement. Donc je pense que c'est pour moi une valeur sûre de poser des problèmes à l'adversaire. Ok. Et l'idée, c'est que comme le reste du répertoire, on est amené à faire ce doublement de pions, ça permet d'avoir une cohérence stratégique. Donc D6 a été joué, Dame C2. Alors, Dame C2 pour recontrôler E4 et pousser le pion jusque-là. Et Nimzowitsch a joué Dame E7. Donc, Dame E7, c'est souvent un coup qu'on a tendance à voir aussi pour aller préparer le coup E5. Est-ce que l'idée c'est sur E4 justement pour pas que les blancs continuent leur route avec le pion, éventuellement de jouer E5? Voilà, E5 est stabilisé un peu la structure en espérant que l'adversaire relâche la tension parce qu'on a une tension intéressante. Si on prend D4, E4, des fois, peut être plus fragile. Ben, on peut Donc montrer tout de les suite ça blancs alors peuvent rejouer. peut-être Antoine. Ouais.
Donc si, Voilà, par s'il exemple, pousse. D5, on serait ravi. Alors, sur D5, on aurait accès à deux plans, on en reparlera, hein, mais la rupture F5 tôt ou tard, après un cavalier H5, par exemple. Mais aussi, le coup D5 a affaibli la case C5, ce qui nous invite à aller l'occuper tôt ou tard avec notre cavalier B8. Donc, on peut faire cavalier D7 ou cavalier A6 pour s'y diriger, et B6 si on a besoin de consolider cette case à un moment donné. Et le pion C4 reste une faiblesse structurelle sur le long terme, car fi bien fixé. Alors, il y a une question de Rémi dans le chat, c'est on conseille pas plutôt d'éviter de doubler les pions d'habitude? Alors oui, c'est vrai. C'est pour ça aussi que le Gambit Dame, ça reste une ouverture qui n'est pas forcément évidente à jouer parce qu'assez technique. Et l'Animzo, c'est un peu complexe, donc on peut avoir des positions où on se fait doubler les pions. Donc En fait, c'est ça qui est c'est passionnant pour ça. Et ouais. dans cette ouverture, ouais, c'est que on va, alors, on sacrifie un fou, hein, pour, c'est pas gratuit, hein, Voilà. on sacrifie un fou contre un cavalier, une pièce importante, et pour doubler les pions. Et donc, c'est tout de suite un déséquilibre, enfin deux déséquilibres, on pourrait dire, et c'est ça aussi qui est très riche dans cette ouverture, c'est qu'il y a déséquilibre matériel, fou contre cavalier, et puis donc paire de fous pour les blancs, et puis déséquilibre structurel puisque les blancs se retrouvent avec les pions doublés. Et il y a toute la famille aussi où ils jouent, je pense surtout à Dame C2 en fait, hein, où il évite le doublement, mais sa dame joue dès le début. On sait que c'est pas non plus conseillé de jouer de la dame trop tôt au début, et donc ça c'est une concession aussi différente. Et le jeu, comme tu disais Antoine, peut mener peut-être à du jeu très dynamique pour les noirs qui ont déjà roqué, qui ont déjà sorti deux pièces, et les blancs qui se retrouvent en retard alors qu'ils ont les blancs, c'est plutôt étonnant. Surtout s'il joue à 3, fou prend C3, dame prend C3, ben la dame elle peut être vulnérable à cavalier E4 avec tempo un moment. Et il a sorti que Et la ça. dame, ouais. Il a sorti que la dame pour l'instant, c'est. Donc il fait le pari de la paire de fous, mais il prend du retard de développement. Voilà. Donc on peut pas tout avoir aux échecs, il y a des choix à faire. Donc mon conseil, ça serait justement jouer D4, C4 avec les blancs et cavalier C3. Faut déjà avoir un certain bagage quand même, parce que vous n'allez pas jouer l'Animzo avec les blancs aisément, je pense. Il faut avoir bien travaillé aussi. Et une autre question, alors j'espère qu'on n'aura pas trop de questions à répondre, mais n'hésitez pas, hein, mais parce que ça va être très riche. Donc est-ce que A3 est une faute? Non, en fait, c'est jouable également. C'est de forcer. C'est ça qui est paradoxal, on pourrait dire, parce que si on pense que c'est l'idée des noirs, ça fait bizarre de l'obliger. Et en fait, c'est une façon de jouer assez agressive, qui va essayer de retomber dans une sémiche, si je me trompe pas, avec peut-être F3, E4 comme plan pour les blancs. Ouais. Parmi d'autres Alors, possibilités. si on veut être sévère, on peut dire que A3 est théoriquement imprécis. Si on veut être sévère et d'un point de vue purement théorique, mais aux échecs, on ne joue pas que comme ça, évidemment. Parce que on sent que les blancs, jouer A3, ce n'est pas la clé, parce que fou prend C3 est un bon coup. Maintenant, l'idée des blancs, c'est de forcer les noirs à tomber dans une position qu'ils désirent, même si elle est peut-être théoriquement un peu moins bonne et assure une égalité dynamique. Les noirs n'ont pas de problème théorique. Maintenant, ils doivent faire face des fois à des attaques sur le roi, même si dans pas mal de lignes, ils viennent à gagner C4, la faiblesse. Donc, c'est aussi à prendre en compte. Okay, alors pendant qu'on parle de éviter les pions doublés, c'est une question qui est posée par deux internautes sur le chat, alors que je salue Samuel Alexandre qui est arrivé entre-temps. Est-ce que fou D2, ce serait une option de jeu? On peut tout de suite dire que le fou est assez mal placé en D2, et que les noirs ils peuvent jouer par exemple D5 pour avoir juste un très très bon Gambit Dame. Après, ils ont peut-être d'autres options aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vis-à-vis de ça, il y a aussi Petit Roque qui existe. Fou D2 n'est pas forcément génial, mais je me souviens, un joueur à 2400 me l'avait joué et parce qu'il y avait peut-être des difficultés pratiques. Il m'avait joué A3, quelque chose comme ça. A3, fou prend C3, fou prend. Dans ce type de position, non, j'ai dit Roque, mais je crois que ouais, D5 tout de suite, c'est peut-être plus précis. Après, ce qui est l'avantage de Rock, c'est qu'il peut pas non plus faire E4 pour l'instant, donc ce qu'on prend en C3, donc voilà. Non, c'était peut-être Ok, en tout cas, c'est pas une ouais, très j'ai bonne ça réputation. Hein. Fou D2, clairement, le n'a pas fou est une très bonne pas très bien réputation, placé. Hein. effectivement, On parce peut que vous montrer que pouvez d'ailleurs, échanger. si on veut le récupérer, on va peut-être réussir à le récupérer. Hein. C'est pas sûr que ce Voilà, fou arrive cavalier à E4. assez esquiver
des attaques par le Voilà, cavalier. Il va voilà. peut-être faire ça pour l'instant, mais même peut-être on peut faire C5 ou D6. Enfin, on voit que le fou est mal placé. Ça m'étonnerait qu'il reste sur l'échiquier très longtemps. Ouais, il y a A5 et C6 qui peut arriver également. Donc, Ok. ça, c'est une Donc cavalier possibilité. F3. Allez, on va reprendre la partie de Nimzowitz. On reprend le fil de la partie. Donc Dame E7 et il a joué fou A3 son adversaire Matissons. A3, peut-être avec l'espoir à un moment de profiter du vis-à-vis ou de réaliser le dédoublement par C5, mais c'était pas lucide. D'ailleurs, Nimzowitz ici a joué un coup très thématique, c'est C5. C5 permet de fixer le pion C4, mais aussi de jouer contre le fou en plus. Je rappelle que quand l'adversaire a la paire de fous, il est censé valoriser en priorité son fou en plus, c'est son fou de case noire. Et ce fou de case noire en A3, une fois que C5 est joué, voire même B6, bah, il tape sur du granit. Donc il va être totalement passif. En milieu de jeu, pour neutraliser une pièce, il faut absolument mettre les pions majoritairement sur la couleur du fou. Voilà, ne pas lui donner de case faible à exploiter. Donc là, il y a déjà au moins. Enfin, je pense que c'est égal petit avantage noir. En pratique, c'est déjà avantage noir. Peut-être qu'un ordi dit que c'est égal, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Donc fou G2, fou B7, roque, roque. Cavalier H4 a été fait pour échanger, mais il ne faut pas oublier que les échanges vont permettre non seulement de rapprocher les noirs d'une finale, mais en même temps de casser la paire de fous. Et le fou A3, ben, il se retrouve de plus en plus bête. Dame B7, une très belle manœuvre pour recycler la dame en A6. Alors souvent, quand on joue contre C4, c'est le fou qui se retrouve en A6. Sauf que là, la dame, elle a finalement le même but, viser la faiblesse. On gagne un tempo sur le fou, donc dame B3, quai C6, tour FD1 pour anticiper une possible ouverture éventuellement. Et là, cavalier A5. Le cavalier au bord dans la Nimzo, c'est vraiment un coup que vous allez voir assez souvent. Puisque ce pion C4 étant une faiblesse chronique, le cavalier en A5 permet de créer une attaque sans se faire menacer. Le cavalier A5 ne peut plus se faire chasser par un pion, ni par le fou. Le fou aurait bien aimé aller en B4, mais il y a un pion C5. Donc ça pose problème. Et les blancs, après dame B5, évitent la perte du pion. Mais il y a un problème, c'est que il n'y avait pas que le pion C4 qui était faible, mais aussi la case C4. Et du coup, il y a une transformation très instructive, c'est que Nimzowitsch, il n'était pas borné, a priori. Il ne se disait pas, il faut absolument que je gagne la faiblesse. Il a transformé la position en se disant, la case C4 m'assure un clair avantage, donc je n'ai pas peur de faire cette transposition. Fou C1, et là encore un coup excellent de sa part, A6. Il sert du pion B5 comme levier. Finalement, le pion faible en B5 est un peu une malédiction parce que le fait qu'il soit là, après A6, il y a une obligation de prendre. Le coup A4 ici n'aurait pas fonctionné à cause justement du thème sur le clouage. Donc là, oui, tu peux. A4 A prend B5, la tour est en l'air. Donc du coup, B prend A6, tour prend. Et là, Nimzowitsch se dit, ok, j'ai plus la faiblesse C4, mais avec la colonne, il y a la faiblesse A2. Et sur l'aile dame, forcément, Nimzowitsch, c'est le patron. D prend C5, B prend. Alors là aussi, je voulais souligner que dans cette situation, vous voyez l'utilité du quai C4, qui est non seulement très actif, mais qui assure une protection intéressante au pion D6. Donc la différence entre la fragilité du pion A2 et du pion D6, vous voyez, il y en a un qui est plus faible que l'autre. Quai G2, quai D5 a été joué. Les cavaliers sont assez puissants. Pression sur C3. Tour D3, doublement des tours. Simple et Aïe, aïe, efficace. aïe. Voilà, vous avez un très bon jeu sur les cases blanches. E4. Et du coup, cavalier E5. Le cavalier en C4 revient et abandon, puisqu'en fait la tour va devoir quitter son poste. Sur tour D2, il y a une fourchette en F3, passage. Et sur tour D1, quai prend C3. On gagne C3, on attaque la tour et on menace A2. Donc la tour doit repartir et on mange A2. Et il n'y a toujours pas tour D2 Avec à deux cause pions de la fourchette. d'avance, de nouveau. Voilà. Donc à Énorme l'époque où belle. ça a été joué, c'est pas une variante, enfin, il n'y a pas d'intérêt spécialement théorique
Mais d'un point de vue stratégique, il a illustré la faiblesse de ses pions de la case et un très bon jeu sur l'aile dame. Donc c'était limpide, on va dire. Ouais, il gagne en 23 coups avec les noirs, quoi. Voilà. Et en 23 coups, bien stratégique. Donc voilà, pour lui faire honneur. Alors, pour comprendre justement une bonne partie du répertoire, j'ai axé justement les exemples, encore une fois, sur trois déséquilibres principaux. J'ai essayé de cibler quels étaient les éléments de milieu de jeu qui arrivaient le plus souvent et qui seraient le plus utiles. Si vous comprenez ça, ça vous aidera à retrouver les coups plus facilement sur l'échiquier, à comprendre un peu mieux les plans. Donc, le déséquilibre premier pour moi, c'est le déséquilibre des pions doublés. La possibilité d'aller faire cet échange, on l'a vu d'ailleurs dans la partie de Nimzowitsch. Donc, savoir jouer contre les pions doublés. Donc, une des premières choses que je voulais illustrer, c'est la faiblesse de pions. Vous avez déjà le placement du cavalier A5 et du fou A6 qui est assez thématique. Pourquoi? Parce que on attaque la faiblesse, mais aussi le cavalier A5, on peut voir ici une utilité importante, c'est qu'il empêche la dame A4 d'accéder au fou A6. C'est-à-dire que le fou A6 est bien protégé grâce au cavalier. Dans ce cas précis, les blancs ont eu l'intelligence de mettre le fou en D5, de poster leur mauvais fou sur cette case, d'être surprotégé avec E4 et C4. Ce qui fait que la position est pas mal pour les noirs, mais il faut quand même être précis. Ce fou D5, il vise F7, et F7, il pourrait être menacé à un moment avec un coup comme F4. Et un doublement des tours sur la colonne F. Donc la position blanche n'a pas l'air ridicule. Ici, les noirs doivent être assez malins. Et ici, une idée astucieuse pour jouer contre le pion doublé, qui est ici isolé, c'est de jouer Dame E7. Et c'est un très joli coup qui est thématique d'ouverture de type Rossolimo, où on va non pas chercher à rattaquer une fois de plus C4, ce n'aurait pas été possible, mais ici chercher simplement à proposer l'échange d'un défenseur, ici la dame. Après Dame E7, ici les blancs jouaient F4, qui n'était pas le plus précis. Là, il y a Dame E8 qui est très fort. Dame E8 a l'avantage d'aller forcer la dame à s'en aller parce qu'elle a plus de cases pour défendre C4. Et si la dame s'en va, C4 tombe. Et le problème, c'est que on dit souvent un malheur n'arrive jamais seul. Et là, c'est un peu le cas. Si le pion est perdu, souvent la paire de fous va partir aussi. Après un coup comme fou prend C4, l'adversaire va devoir se séparer de la paire de fous, de son fou puissant, et il aura moins de chances d'attaque de l'autre côté, par exemple. Une fois que s'il y a un échange qui a lieu en C4, le cavalier, de nouveau, accède à cette très belle case. Et là, vous avez un avantage décisif stratégiquement. Et matériellement, bien sûr, avec votre pion d'avance. Ok, on enchaîne avec les pions doublés. Alors, du coup, là, c'est l'exercice des réseaux. Ah oui, d'ailleurs, voilà, c'était une question de Rémi tout à l'heure. Est-ce qu'on allait corriger l'exercice des réseaux? Je ne savais pas que Samuel postait également sur LinkedIn et je pense qu'il a posté les mêmes positions partout. Alors, si vous voulez rappeler ou poster une réponse rapidement avant que je donne la Oui, solution, et il reste demandait peut-être du coup, voilà. 15 secondes, Alors, 30 secondes. sachant qu'on a posté deux positions, hein, donc là c'est une des deux, on va corrigera l'autre dans le deuxième chapitre. Et donc, bah, je ne sais pas si c'est celle-ci à laquelle tu faisais allusion, Rémi, ou si c'était la deuxième, qu'on corrigera tout à l'heure. C'était l'autre, ok, ce sera pour tout à l'heure. Alors, E prend et G5, trop risqué vu le positionnement des pièces blanches. L'aile roi, c'est le secteur des Blanc, blancs. ouais. Donc oui, l'idée d'essayer d'aller gagner la case E5 en soi, ça a l'air pas mal, mais beaucoup trop vulnérable pour le roi. Ça va faiblir beaucoup. Qu'est-ce que quelqu'un avait une autre idée? On va montrer la. Ronde. On va. Bientôt montrer la réponse. Parce qu'on a beaucoup de choses à vous montrer. Dernière Donc la proposition avant question que. c'est, voilà, on est dans le chapitre vraiment des pions doublés, hein, donc est-ce que vous avez une idée pour essayer d'attaquer ces pions? F5, attention, c'est pareil.
Normalement, d'instinct, faut faire attention à ne pas jouer dans le mauvais secteur. Surtout qu'il y a un vis-à-vis de tour E1 et dame E7. Donc, si possible, les noirs aimeraient garder de la stabilité. Alors, ça ne veut pas dire que des ventes concrètes ne peuvent jamais fonctionner, mais il faut vraiment être sûr et ne rien oublier dans ce type de variante. Donc, Bah F5, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on va faire s'il prend, hein? Je sais pas ce que vous avez prévu, mais on peut pas trop avancer parce qu'il contrôle trois fois la case là. Et puis on est cloué aussi, donc on peut pas prendre. au passage, après F5, E prend, ce qui serait amusant de montrer, c'est aussi que les blancs pourraient commencer à envisager Ky D4, profitant du Ah courage oui, pour oh là monter là, sur peut-être à débarquer F6. par là. C6, voilà. Le Donc, cavalier va plus être le même là. Il voilà. était un peu en C6 difficulté. pourrait avoir un intérêt prophylactique si à un moment le cavalier noir essayait de venir en E5. Ça pourrait, mais bon. Alors, fou C8 à 5, fou A6, non, c'est trop, Un peu beaucoup trop sophistiqué long. comme manœuvre. C'est pour faire A4, Alors, j'imagine, mais enfin non, je sais pas. le cavalier pourrait revenir parce qu'en B3, à part l'idée concrète en D4, mais c'est Monsieur Justice, il dit des trucs rigolos. Je crois que ce n'est pas la première fois qu'il sort des commentaires un peu Monsieur particuliers. Justice, eh bien, très bonne soirée à Monsieur Justice. Hop. Bonsoir à Paul qui vient d'arriver. Ouais, Paul, bonne Safari, je ne sais pas anniversaire. si on avait eu le temps de le saluer. Du coup, la réponse était de jouer simplement tour AC8. En fait, dans ce type de position, la rupture C6 est assez importante. Juste pour révéler les faiblesses en C4 et vite prendre l'initiative. Chercher la bonne rupture pour donner de l'activité à la Ouais, là pièce. ça fait très mal ces 6. Ouais. Là, vous gardez votre stabilité à l'aile roi. Il ne peut pas manger. Pousser F5, ben, ce n'est pas terrible, terrible, parce que comment continuer? Le Ky D7 contrôle les cases. En règle générale, les blancs feraient mieux, avant de jouer un coup comme F5, d'essayer de jouer fou H3 pour aller supprimer le cavalier et pour après essayer de F5, jouer F6, ouais. F5. Voilà, c'est plus logique. Mais à ce moment-là, les noirs pourraient encore jouer des coups comme F6 et les blancs devraient préparer G5, ça mettrait pas mal de temps. Et les noirs, très rapidement, jouant tour C8, C6, prennent l'initiative. En cas de prise, tour prend, la tour accède tout de suite à la fragilité en C4. C'est l'avantage. Et le fait d'avoir le pion D6 arriéré, c'est anecdotique dans ce type de position. Le pion est suffisamment bien protégé, même si D6 venait à être perdu, on troquerait probablement également contre C4 et C3. Ouais, peut-être on va prendre les deux à la suite là. Ouais. Ok, Voilà. KC5 était proposé par Nochad pour essayer d'ouvrir la colonne B, mais il n'est pas obligé de prendre non plus, il peut peut-être faire ça. Voilà, Si... Ky-C5, ça reste un coup intéressant à envisager, évidemment. Donc, c'est aussi intéressant. Enfin, ce n'est pas le meilleur, mais ça se regarde, évidemment. Tour C8 Alors, très fort. C6, tour D1, on aurait pris, probablement. Tour C8. Tour D1, déjà, en plus, c'est bon signe. L'adversaire, il réagit à nos plans. Donc, Et il met sa tour sur une mauvaise colonne, pour l'instant. C6, prise, tour prend, on défend derrière et on menace fou prend C4. Si tu dois jouer Ky D2, bah, tu perds un peu les bienfaits de tour D1. Derrière, je peux doubler les tours. Allez. Ouais. Ok. Oul. Je suis allé trop vite. Non, c'est bon. Hop. Je crois que c'est la Alors, position un suivante. dernier exemple concernant les pions doublés qui me semblait Ok. important. Du coup, c'est cette idée-là. B prend A5. B prend A5. Hop. Pourquoi? Parce que quand vous regardez d'un point de vue structurel, si vous arrivez à échanger un maximum de pièces, même si vous venez à perdre le pion A5, vous avez créé un pion passé, le pion A7 a plus de valeur que les pions doublés. Pourquoi? Parce que en fait, le pion de plus des blancs, c'est C4 ou C3 comme vous voulez. Et vous avez le pion C5, le pion C5 qui en arrête deux. Donc en séparant les majorités, c'est comme si vous gagniez un pion. Donc il y avait un autre coup qui était amusant Donc c'est dans cette... Kasparov hein, qui avait joué ce coup là, ouais. Exactement, il y avait cavalier à 8. Waouh. Parce que l'une des idées, c'est de jouer tôt ou tard B prend A5 quand même, et en cas d'échange, le cavalier revient en B6 pour attaquer la faiblesse en C4. Ouais, ça a pas Dans l'air la partie de très Kasparov. facile à parer, ouais. Ok.
Donc B prend A5, séparation des majorités. Pourtant, c'est un peu surprenant. On se dit, ouais, on fait une structure qui n'est pas très jolie. Mais souvenez-vous, regardez bien la structure. Et des fois, les pions doublés peuvent se faire arrêter et séparer les majorités vous permet d'avoir un pion de plus. Et il n'a pas peur de tour B7 alors ici. Tour B7, il va rendre le pion. Ouais. Sur tour B7, ouais, il était prêt à rendre un pion. Parce que le pion A5, au pire, s'il arrive en A4, il allait être solide à un moment donné. En Ouais. plus, si la dame retournait en Un truc comme ça. recul en B8. Dame Ok. B8, Ou c'est dame la tour. B8, ouais. Ah oui, dame B8 après. Si on a le... Baf, ouais. Je suppose qu'il va faire ça, mais... Même. Il avait ses raisons. Ouais. Ouais, c'était étonnant qu'il le joue si tôt, ouais. Cavalier à 8, du coup, je préfère. Mais en fait, au moment où il a joué, c'était intéressant d'un point de vue structurel, mais cavalier A8 permettait d'éviter ses Ouais, c'est ça. provocations. Mais les blancs étaient légèrement mieux, mais au fur et à mesure, il a réussi à Ok. prendre l'avantage. Ok. Oui, parce qu'en fait, ça, c'était un avantage long terme. Le pion passé, il va rester pendant Voilà. très longtemps sur l'échiquier. On suffit de le mettre sur A4 et on est sûr qu'on va pas le perdre, en gros. Et la tour en B7, ça peut être très temporaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va ramener les pièces, on va essayer de la repousser d'ici. Voilà, j'avais pensé aussi à fousser vite. Je sais pas si c'est un bon coup. Le problème, c'est qu'on a maintenant un souci avec l'autre pion. Ah ouais. Est-ce qu'on peut faire un truc comme ça et dire que la tour est un peu coincée, Ah, peut-être? pour essayer encore. Mais la dame va Ouais, la peut-être dame va venir, accéder ouais. à B6. Ouais. La case B6 va Ouais, peut-être ça marche pas accéder. très bien. On a failli coincer la tour, mais ça a l'air un peu mauvais. Ça, en partie longue, on prend bien le temps de toute Ouais, façon donc de cavalier à 8, voilà. négocier. Et voilà. Ok. Kasparov, il a fait ce pari sur l'avenir en se disant, ben voilà, je sais que structurellement c'est bien et je vais essayer de neutraliser l'initiative. Petit à petit. Hop. On a fini avec les pions doublés. Alors, oui, au niveau des pions doublés, on avait vu principalement les idées que vous pouvez mettre en avant. Un autre déséquilibre, le deuxième à prendre en compte, c'est le déséquilibre de cavalier-fou. Quand vous faites fou B4, dans la majorité des cas, vous allez échanger tôt ou tard le fou contre le cavalier. Que ce soit en cassant la structure adverse, ou des fois l'adversaire va perdre un peu de temps, il va pouvoir défendre contre cette menace. Donc, pour vous, il va falloir bien maîtriser le duel cavalier-fou et tout particulièrement comment valoriser un cavalier. Donc, dans ce cas précis, le fou à terme va s'échanger. Les noirs, pardon, ont joué E5, qui est bon, pas le plus précis d'un point de vue théorique, mais dans l'idée, c'est plutôt bien. D prend E5 ici. D5 était préférable, mais on va passer. Prise E5. On se rapproche de la Prise D5. structure de tout à l'heure, Ouais. mais ouais. Faut prendre C3, c'est la structure. Ah, mais il peut donner le pion E4, ouais, d'accord. Ok. Du coup, on n'a pas trop Un peu obtenu ce plus qu'on voulait. compliqué. Ok, D prend E. Bon. D prend Oups. E. D prend E. Et l'avantage, c'est qu'ici, les noirs vont essayer de dominer l'avant-poste en D4. Donc, fou G5. Pareil, normalement, si vous avez laissé une case aussi faible que D4, ce fou, il a plus d'intérêt à se mettre en E3 tôt ou tard qu'aller en G5 pour s'échanger contre le cavalier. H6, tour D1. Donc en apparence, les blancs, ils font des petits coups un peu actifs, mais ils n'obtiennent rien de concret. Prise F6, dame prend. Fou E2. Et là, fou G4. Vous continuez à chercher à obtenir D4. Petit roque. Et là, un bon coup, fou prend C3. Fou prend C3, c'est fort parce que les blancs sont face à un dilemme. C'est-à-dire, bon, si je mange de la dame, il va se passer problème sur l'avant-poste. Voilà. Duel cavalier-fou nettement remporté, le cavalier dominant qui ne peut plus être chassé. Et si l'adversaire, au lieu de manger de la dame, mange du pion, c'est les faiblesses structurelles sur le long terme. C'était peut-être le meilleur choix pratique. Parce que les pions sont, bon, les pions sont pas sur colonne ouverte. Et des fois, ces pions doublés peuvent apporter du contre-jeu dynamique, par exemple sur une tour en D5. Si à un moment, les blancs veulent doubler, ils peuvent essayer de mettre une tour en D5. C'est plus difficile d'aller supprimer la tour parce qu'à ce moment-là, ça dédoublera les pions. Je me souviens que l'ordinateur, il donnait clair avantage dans les deux cas. Mais bon, après, OK. dans l'autre cas, ça me semble vraiment l'avantage stable et vraiment pas beaucoup de contre-jeu, donc voilà. Ok. Ok, donc domination de l'avant-poste, tout ce qui est lié à l'avant-poste,
pour valoriser Voilà, surtout cette position à retenir. donc la création d'avant-poste, diriger le cavalier sur ce type de case et les bons échanges. Voilà, sachant que ben, dans les précédentes masterclass, on a déjà traité toutes ces thématiques, la thématique de l'avant-poste plusieurs fois, au moins trois fois dans des masterclass, l'avant-poste pour le cavalier, et puis les bons échanges aussi, notamment une masterclass avec Marc, on a fait les échanges symétriques et les échanges asymétriques, et puis on avait souvent parlé des échanges au cours de différentes masterclass. Oui, donc n'hésitez pas à faire référence à ça pour si vous voulez gonfler votre niveau de jeu, on va dire positionnellement sur ces thèmes. Ça irait très bien avec ce qu'on travaille. Et du coup, une autre règle très importante à retenir, c'est après l'échange fou-cavalier, la lutte contre la paire de fous. Pour lutter contre la paire de fous, une des règles phares, c'est d'aller casser la paire de fous et d'échanger un des deux fous. Donc dans ce type de position, vous n'allez pas vous gêner pour jouer fou F5. Ça vous permet non seulement de forcer l'échange, mais aussi la disparition du fou D3, ça enlève un défenseur sur C4. Et sur le long terme, ça peut permettre la fragilisation de ce pion. Donc là, vous pouvez échanger dame prend. Et l'adversaire n'a plus sa paire de fous, il n'a plus que son fou de case noire. Donc après, bien sûr, la partie continue, mais sur le long terme, vous lui avez enlevé un de ses avantages. Normalement, le duel cavalier contre fou est plus viable que cavalier fou contre paire de fous. Ok. Le dernier déséquilibre pour moi qui est important à prendre en compte, c'est le désavantage d'espace. Comment jouer quand vous avez moins d'espace? Donc, ça, on en avait déjà parlé. Il y a trois règles, des règles simples à retenir, à avoir toujours en tête. Parce que je sais que des fois, il m'arrive d'avoir des élèves qui me disent, dans cette position, je ne sais pas trop quoi faire. À chaque fois, je fais référence aux déséquilibres principaux. Quand on a moins d'espace, tu vas chercher des manières de forcer des échanges, par exemple. Ici, c'est le cas avec cavalier H5. Cavalier H5, c'est un bon coup parce qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Le coup cavalier H5 propose l'échange en G3, mais aussi permet au cavalier de se diriger vers une case influente, la case F4. Qui n'est pas un avant-poste à proprement parler, parce que le pion G2, théoriquement, peut le chasser, mais c'est trop compliqué. C'est-à-dire, il faudrait déjà sortir le cavalier, et G3 affaiblirait H3. Donc ça reste une case assez pénible, ce qui va inciter l'adversaire à échanger. Et après cet échange fou prend, ici, les noirs peuvent rebasculer vers ce qu'on a vu précédemment, une domination d'avant-poste. Si les noirs avaient l'occasion de rejouer, ils pourraient envisager cavalier B3 qui gagne un tempo sur la tour, et qui menace de se rediriger vers la case D4 et fou prend F3 pour dominer l'avant-poste. Après avoir fait fou prend, le cavalier resterait en D4 quasiment indéfiniment, sauf si l'adversaire décidait d'aller sacrifier ou que notre cavalier ferait une tactique et à ce moment-là gagnerait une qualité ou plus si besoin. Donc ici, l'échange justement permet de soulager un peu notre position en plus d'atteindre un autre but. Au passage, je rappelle que l'avantage d'espace, souvent on le voit par rapport à la structure de pion. C'est les pions qui délimitent l'espace. Le pion D5, il a franchi l'équateur, c'est-à-dire de l'échiquier, et du coup, il assure un peu plus de terrain. Donc, par rapport Voilà. à ça, les blancs ont un peu plus d'espace. À noter qu'il y a aussi un pion noir qui a réussi à franchir la moitié de l'échiquier, mais lui c'est complètement sur le côté. Donc les noirs ils ont l'espace un peu sur l'aile dame, mais les blancs c'est au centre et le centre ça donne plus l'espace général de la position. Exactement. Voilà. Le pion A4, il donne de l'espace, mais dans un secteur moins influent. Donc, on le remarque moins. Voilà, et puis il y avait sinon Exactement. il y avait Manuel Apicella, je pense, qui avait donné une règle pour essayer de calculer l'espace, c'était le nombre de cases qu'on contrôle dans le camp de l'adversaire. Donc là, au niveau des blancs, il y aurait 1, 2, 3, 4, 5, on peut dire. Et puis les noirs, bah, 1, 2, 3. Voilà. Donc ça fait une Ah, c'est différence. intéressant, c'est vrai que ça, je n'avais jamais entendu parler, par exemple. Après, c'est vrai qu'il y a différentes façons de voir les choses, mais des fois, c'est intéressant d'entendre ça parce que ça peut être une information peut-être plus assez facile pour On peut certaines calculer, personnes de ouais. l'entendre. On peut compter. Ouais. C'est plus concret peut-être. Voilà. Donc il en avait parlé dans la super masterclass où il parlait de plein de principes du jeu d'échecs. C'était l'année dernière au mois de mai.
Voilà, si vous voulez la D'ailleurs, retrouver. voilà, je tenais à le saluer. Il avait fait un défi à Chalon et voilà, c'est un joueur avec un très beau palmarès et très humble et très, enfin, vraiment très sympathique, très agréable. Donc voilà. Et il avait joué D'ailleurs, Paul, pour toi, tu l'avais Chalon. affronté. J'avais joué contre lui quand on avait joué contre Chalon. Alors, Donc, ouais, il y avait une nous question de Rémi passons. ici, c'était si Ah les oui. blancs font G4, on repart. Ben oui, on repart. Et puis les blancs ont fragilisé leur roi. Voilà. Ils continuent à Au prendre de passage, l'espace, G4, mais je crois, a été joué, hein, avait été d'accord. joué dans la partie de manière prophylactique pour éviter le plan qu'on a mentionné. Mais à ce moment-là, voilà, il y a un affaiblissement sur le long terme. Alors, on continue sur la question de l'espace. La deuxième règle importante, c'est de trouver la bonne rupture. La rupture, justement, vous permet de contester l'avantage d'espace et de menacer vous-même d'en prendre un peu plus. On en Donc, comme reparlera tout vous. à l'heure dans l'Est indienne de ça. Voilà. Vous avez des structures qui vont se rapprocher. Ici, dans ce type de position, les blancs ont plus d'espace. Hein, le pion D5, justement, qui est rentré dans notre camp, est là. Et vous devez chercher une rupture. Préparer une rupture B5, a priori, ce n'est pas la meilleure des idées, puisque ça permettrait aux blancs de dédoubler leur pion, évidemment. Et en plus de ça, c'est que ça donnerait la case C4, peut-être, au cavalier derrière, qui pourrait l'utiliser à bon escient. Donc, la rupture B5, il y a des très rares cas où ça pourrait être une bonne idée. Mais statistiquement, voilà, si vous voulez, ça arrivera à 5%, 5% du temps, dans des cas un peu précis. Donc, vous pouvez l'oublier en milieu de jeu. Si vous n'avez pas le choix, si vous êtes totalement étouffé sur l'aile roi, oui, il va falloir trouver du contre-jeu. Mais ce n'est pas le cas. Donc ici, la rupture normalement intéressante, c'est la rupture F5. Pour la préparer, il faut sortir ce cavalier. Donc le cavalier, vous avez plusieurs cases. Mais ici, la case peut-être la plus intéressante, c'est peut-être d'aller en H7. Normalement, si vous aviez accès à H5, ça aurait été cavalier H5 le plus intéressant. Parce que cavalier H5 permet de viser la case F4. Et la case F4 ne peut être contrôlée que par le pion G2 ou une pièce. Et si G3 est joué, c'est un affaiblissement que le fou C8 peut utiliser. D'accord? Et le fou D3, a priori, sauf s'il se recycle en F1 ou pour contrôler les cases, il est allé en D3, ce n'était pas pour reculer. Donc là, on n'a pas accès à cette case, mais on fait cavalier H7 avec l'idée simple de faire F5. Et F5 vous permet de contester l'avantage d'espace du pion E4, d'éventuellement jouer F4 vous-même pour balancer une marée de pions sur le roque adverse, ou plus généralement jouer F prend E4 pour initier des échanges. Parce que si on joue F5 et qu'on fait F prend E4 qui prend du cavalier, on remet le cavalier en F6, on échange, et après on mettra le fou en F5 pour proposer l'échange du fou, etc. Et les échanges favorisent le camp qui a un peu moins d'espace. Et je rappelle que si vous échangez fou de case blanche, vous cassez la paire de fous et vous fragilisez C4. Donc voilà, cavalier H7, F5 est essentiel ici. Et donc Donc c'est ça, pas c'était la grave, hein. règle 2. C'est pas grave si on échange le fou qui était mauvais au départ. Oui, exactement. Parce qu'il ne faut Alors que pas c'était notre oublier bon fou. que, oui, il y a une histoire de bon fou, mauvais fou, mais dans une structure où l'adversaire joue par exemple F3, votre bon fou, il n'a pas beaucoup d'avenir. C'est un bon fou, mais qui est pas très, des fois pas très actif. Il n'a pas accès à beaucoup de cases. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas le seul à jouer. À terme, vous allez avoir besoin d'ouvrir des lignes, au moins pour vos tours. Et quand les lignes vont s'ouvrir, le mauvais fou, il sera un peu meilleur. Enfin, le fou D3, il peut avoir une diagonale de libre. Et un mauvais fou peut très bien se révéler en finale avec la paire de fous. Donc c'est pour ça que dans ce cas précis, n'hésitez pas à aller simplifier. Comme j'ai dit, ce mauvais fou, il a l'avantage de défendre C4. Donc, le supprimer est plutôt une bonne nouvelle. Ok. Alors, Hop. encore l'espace. La troisième règle importante, c'est justement d'essayer de profiter des cases faibles. Quand l'adversaire avance trop ses pions, il peut laisser dans son sillage des cases justement faibles que vous allez pouvoir utiliser pour vos pièces. Ici, on a un exemple simple, c'est E prend F4. Ce genre de situation, c'est important. C'est important de saisir ce genre d'opportunité. Parce qu'en prenant F4, vous libérez la case E5. Et la case E5, elle est faible parce que le pion F4 a été supprimé, mais aussi parce que le pion D5, il est trop avancé. S'il avait été en D2, il avait encore le potentiel d'aller la contrôler. Si le pion pouvait reculer, faire D5 en D4 serait une bonne idée stratégiquement.
pour reprendre le contrôle des cases. Sauf qu'ici, ce n'est pas le cas. Et maintenant, les noirs peuvent occuper cette case. Par exemple, jouer G5, chasser le fou, qui était bien positionné, et là, tour E5, par exemple. Donc, tour E5, l'idée, c'est d'aller à terme attaquer le pion arriéré en E4. Et la case E5, en général, on aime bien y poster un cavalier, mais ce n'est pas la seule pièce qui est autorisée à s'y installer. Dans ce genre de position, vous pouvez avoir des parties thématiques où successivement, quasiment toutes les pièces, c'est-à-dire un cavalier, une tour, une dame, et même le roi, occupe cette case faible. Donc c'est pour ça. Le cavalier, c'est un bon bloqueur, ça va souvent être une belle pièce, mais vous pouvez aussi utiliser les pièces lourdes pour faciliter l'attaque du pion E4. Par exemple, dans ce type de position, une position idéale serait de jouer dame E7, fou D7, même fou E8, fou G6, pour mettre le fou, et après tour E8. Et à ce moment-là, vous avez une attaque parfaite sur la fragilité du pion E4. Et les pièces blanches, finalement, ont des difficultés à aller contester cette case de 5. Donc voilà, profitez des cases faibles, regardez bien si l'adversaire affaiblit des cases et essayez de les occuper parce que vos pièces seront plus influentes. Donc ça, c'est la règle 3. Bonsoir Sur les désavantages d'espace. À Rémi qui doit partir, bonne soirée, à bientôt. Merci pour ta participation. Et il est remplacé par Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. J'aime bien le commentaire du coup de SafariCraft 139. Ouais. Par rapport à toujours prendre en F4. D'un point de vue structurel, je suis tout à fait d'accord. Les blancs doivent faire fonctionner ça de manière concrète. Ce n'est pas tout le temps évident. Alors, ici, c'est une position que je trouvais très instructive. Pourquoi ? Parce qu'à cette position, seule résume quasiment tous les plans que j'ai mentionnés. Donc, c'est parfait voilà. Ça. Voilà, je suis tombé en plus sur cette position un peu par hasard il y a quelques jours. Donc c'était un ajout récent et j'étais content de l'avoir. Donc ici, les noirs ont déjà réalisé deux échanges de pièces légères. Ils en ont fait un supplémentaire parce que l'échange en C3, c'est un échange bon, qui arrive naturellement. Et du coup, ils ne souffrent pas trop du désavantage d'espace. Ici, ils ont préparé la rupture naturelle F5 en bougeant la dame. Donc, première étape, c'est dame G6. Donc, dame G6 libère F5. Les blancs jouent A4. Bon, c'est assez logique. Ils ont une tour en B1. Le pion B6 est ultra solide, donc il faut aller le contester pour créer des problèmes. F5, la rupture efficace. A5, continue son plan. F prend E4. Fou prend E4. Et après, fou prend E4, fou F5. Règle supplémentaire par rapport à la règle par rapport à la paire de fous. On propose non seulement un échange, et en même temps, la disparition du fou de case blanche, j'en ai parlé, fragilise C4. Tour E1. Cavalier C8. Un coup qui ressemble au coup mentionné dans la partie de Kasparov. C'est en A8, mais là, il y a les mêmes idées. C'est de consolider B6 et aussi de préparer la possibilité cavalier B6 après un échange. Dame A4. Fou prend. F prend. Et B prend A5. Cette fois, B prend A5 illustre la séparation des majorités. Le pion C5, maintenant, arrête efficacement C4 et C3 en finale, ce qui assure aux noirs un pion passé, quasiment un pion de plus. Si vous comptez les pions mangés, vous allez vous dire c'est égalité matérielle. Oui, c'est vrai. Mais si vous regardez l'échiquier, votre pion A, il a un potentiel pour faire une dame. Les pions C, quasiment aucun. Et donc, dans cette position-là, cavalier B6, en plus d'avoir le pion passé, le cavalier est parfaitement placé pour faire pression sur la faiblesse en C4. Donc, on a en plus un jeu efficace sur les pions faibles. Alors, il y avait une question. Pourquoi ne pas jouer à prendre B6 au lieu de tour E1? Alors, peut-être tu peux revenir un tout petit peu avant. Là, à prendre B6. Alors, il doit y avoir… Mais déjà, on peut récupérer… pion E4. Alors, la réflexion… Par quoi on commence? Fou prend E4. Ouais, parce que des fois, quand on va faire dame prend, on attaque la tour aussi. Pion prend… Si par exemple je fais dame prend E4, j'attaque la tour en B1,
Des fois, il y a des coups intermédiaires à base Fou G5. j'attaque C4 aussi, à base de B7. Ah, B7. Non, B7, il y a tour prend F1, Et tour dame prend. F8 et dame prend B1. Donc, il doit y Ouais. avoir des idées, voilà, des idées tactiques, c'est bien de le Je pense mentionner. qu'il doit jouer ça. Il Et peut y avoir. D'ailleurs, c'est plus intéressant, peut-être avant. J'ai dit une il y a bêtise. de la Alors. tactique un peu qui traîne dans cette Le position, fou était en C1, revient juste avant. mais il faut dire que même si on joue un coup simple, ici on va être très bien avec les noirs a priori. J'avais dit une bêtise parce que tour prend, il y avait dame prend. J'avais envisagé que. Oui, Ah, sur B7. j'avais envie. Ouais, Ouais, B7, c'était dame une prend, ok. bêtise. Parce que tour prend, Ouais. je sais pas, je pensais que c'était pas possible, j'ai dit une Ouais, ok. bêtise. Ce qui fait qu'après dame prend, on n'a pas tour F8, il y aurait dame prend F8, Bon, échec, même si on joue un coup roi comme ça en prend fait. F8. Tour prend obligerait roi prend. Après tour prend, roi prend, le roi pourrait se cacher peut-être même E8 Ouais, et aller chercher en le cas pion, mais il y a des d'échec. manœuvres des fois comme ça. En fait, le problème, Le c'est pion qu'il y a B7, beaucoup de finalement. pions qui traînent là, ouais. Et ça risque de se troquer. Même si ces pions se troquent, en fait, et qu'on n'a pas le pion passé au final, on va prendre notre pion passé ici, c'est un pion E, quoi. Et il y a des pions faibles. Donc ça a l'air. Bon, c'est complexe, on voit que la position est complexe. Donc oui, il y a des. C'est vrai qu'il y a des Non, raisons B prend tactiques. A8, non. Alors peut-être qu'il y a des variantes préférables encore. Il n'y a pas B prend A8, hein. Après, on n'a pas laissé B prend A8. Hein. Ouais, je comprends On a pas. essayé de pas le laisser, c'était sur échec quand même ici. Tour prend échec, Ouais. ouais, pour éviter. Ok. Donc, ouais. Donc ouais, Ok. c'était jouable. Et donc nous, on est allé jusque-là, et dame A2 pour défendre le pion, et les noirs avaient l'avantage ici. Hein. Voilà. Après, la suite, vous pourrez regarder, mais voilà, de nombreux éléments stratégiques de la Nivezone ont été illustrés là. Et Il a gagné en 58 coups, ouais. Je sais pas qui c'était d'ailleurs. Personne. C'est plus de 2000. C'était peut-être 20. Si, c'était Linares. Je 20 vois David, Linares, mais je sais peut-être. pas si c'est le grand tournoi de Linares ou si le. Ah non, c'est l'Open, ok. Ouais. C'est l'Open de Linares. Ah, non, c'est pas. Non. Mince, j'ai le nom Mais d'échappe. je vais l'attraper ici, non. Pas Van Tiviakov, ouais. Deli, Tiviakov. Ah, Tiviakov. t'étais pas loin. Hein. C'était un Hollandais. Ok. Alors, peut-être quelques exercices pour les internautes Quelques exercices, on ne passera pas pour trop finir. de temps. Alors, ici, voilà, c'est la position de la dernière fois. Donc, on en a parlé brièvement. Donc, celui-là, on Ah va oui, peut-être le c'est vrai. passer. On avait déjà vu cette position, donc on avait sans faire exprès, en fait, suite à une question d'un internaute et on avait dit que cavalier 4 était une bonne idée pour essayer d'attraper le fou. Ensuite, très haut noir. Ah oui, je réponds juste à. Oui, dame prend F1, j'aurais pas joué dame prend B1 justement à cause de B prend Non, il A8. voulait jouer tour Et F8 tour échec. F8, ça Ouais. posait problème. Enfin, il voulait jouer tour F8 échec sur roi prend F1. Voilà. C'était Sur l'idée de roi prend, base. et c'est pour ça dame prend, ça n'allait Sur dame prend, pas, c'est un ça posait problème. pas de problème. Ouais. Fallait jouer autre chose. Ok, donc il reste deux exercices. Le premier, bah, ça faisait écho à ce qu'on avait déjà dit. Donc n'hésitez Alors, pas que à faire travailler. avec les noirs? Vous avez les noirs. Qu'est-ce que vous jouez et pourquoi? Et de regarder en fonction de ce qu'on a dit, des trois déséquilibres, si ça peut faire référence voilà, soit au pion doublé, à l'espace ou au duel cavalier fou. Des fois, ça peut faire référence à plusieurs à la fois. Vous avez un coup de thématique ici. Alors, cavalier H5, attention, il y aurait H7 en prise avec dame. Ouais, l'idée de jouer F5 était plutôt bonne, mais c'est vrai qu'on perdra le pion ici à cause de la batterie dame fou en face de H7. Par contre, je suis tout à fait d'accord, si le pion E3 était en E4, le coup cavalier H5 redeviendrait une très bonne idée avec l'idée F5 et cavalier F4, par exemple. Alors j'ai vu deux propositions de cavalier D7, cavalier C5 exploite les cases faibles, mais est-ce que c'est une case faible? C'est la première question que j'ai envie de poser. Est-ce que la case C5 est une case faible? Parce que tout à l'heure, il y avait des pions doublés, donc fatalement, on avait bien envie d'être sur cette case. Mais là, ils sont pas doublés, les pions. Et les blancs, il faut compter sur le coup B4, là.
qui pourrait Parce que là, le fou contrôler cette C3 défendrait case. la tour 1. Ouais, après Il pion pourrait prend, pas pion prendre B4 prend, après. Ouais. tour prend, fou prend. Donc j'ai pas l'impression qu'on puisse s'installer ici avant qu'on arrive à faire B4 par exemple. Donc, ouais, la proposition, enfin, la solution a été proposée, effectivement. Le coup A4. Le coup A4 est stratégiquement fort. Ça permet non seulement de piquer la case B3, mais aussi C5. Vous gagnez deux cases quelque part avec ce coup-là. Ouais, en Donc, vous fait, on n'a fixez pas la le temps, structure. hein. Si on fait cavalier D7, B4, on n'arrive pas du tout sur C5. Exactement. On est nulle part. On ne sait plus aller où aller d'ailleurs avec le cavalier. Et là, vous subissez un peu l'espace. Vous voyez que vous avez un peu de difficulté. Vos pièces marchent dessus. Le fou C8, il n'est pas très heureux. Le quai D7, il n'a pas beaucoup d'avenir. En B6, on ne voit pas trop. Ouais, c'est dur. Vous pouvez tenter d'inciter, par exemple, après quai D7, B4, d'attendre un coup, d'inciter l'adversaire à gagner A5. Si vous le laissez manger A5, vous récupérez C5. C'est un sacrifice tout à fait cohérent. Mais il n'est pas obligé de prendre. Il n'est pas obligé de prendre, voilà. Il peut roquer. Donc, Voilà. Ok, donc A4 très fort. A4 très fort ici. Et structurellement, voilà. Maintenant, la différence ici, il fait B4. Ben, on a la prise en passant. Et. prise en passant, et vous obtenez la case C5, mais aussi la faiblesse en A3 que la tour peut attaquer immédiatement. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez gagner cette faiblesse, mais sur le long terme, vous allez des fois paralyser des pièces blanches à sa défense. Et si vous faites les bons échanges, plus vous approchez de la finale, plus ce pion peut être un souci. Et donc, s'il ne fait pas Ok, donc B4, on pensez va bien à ces petits pouvoir coups de A4. préparer ça et peut-être un jour d'aller sur B3. Ça dépend si son cavalier reste là ou pas. Et là, pour le coup, maintenant, ça va devenir une case beaucoup plus forte qu'avant. Ouais. Maintenant, le pion B a beau être sur l'échiquier, vous pouvez dire que la case C5 est une case forte parce que dès que le pion B avance, vous allez prendre en passant en gros. Ok. Nouvel Alors, celui-là. exercice au noir de jouer. Alors, cette position est vraiment arrivée. Ça a l'air un peu. Enfin, ça semble cohérent, mais disons que ça Elle est fait un bien peu too bloquée, much. hein. Ouais. On dirait que tu l'as fabriquée exprès, Ouais, hein. on pourrait le Un penser. beau Donc, cavalier ici qui fait pression sur des pions. on pourrait parler du cavalier bloqueur, effectivement, très efficace, avec la double attaque, enfin deux pions un peu fragiles qui sont défendus, mais bon, il y Ah, en a qui un oblige qui le est en fou à état de prendre surveiller des quand même, risques. ouais. À vous. Alors, je sais Qu'est-ce pas que vous trop où tu faites? vas avec ton cavalier Jérémy, ici. Et Alors, c'est dommage. le fou, Ouais, c'est. juste. Ah, si, oui, non, pardon, j'ai compris ce que tu fais, ouais. Ok. Il va, en fait, il va essayer de retomber sur le schéma que tu avais montré au départ, Antoine, avec le cavalier sur A5 et le fou sur A6 qui tape la faiblesse en C4. Mais en fait, le Mais cavalier, il le vise déjà cavalier C4, quoi. D6 est... Ouais. Il est déjà pas mal Donc placé. à la limite, le fou, c'est déjà, ça fait plus sens déjà. Mais il faut faire attention à ce pion quand même. Tu peux être peut-être capturé. Alors, il faut viser le pion C4, mais A4, oui, A4, donc En fait, fou, c'est... tour A5, fou C8, A6. Je vous vois vous contorsionner des fois avec vos pièces, c'est assez drôle. Hein. Ben oui, il y a des moments. Voilà. Fou C8, dame E8 pour En fait, récupérer fou la pièce. C8, on n'a pas besoin de défendre, je me suis rendu compte après. On peut jouer ça, parce que sur dame prend, il y Donc on aurait prend fou C4. prend, qui doit être assez bon, même si la dame Ouais. revient, mais quand même, on échange, ça doit être... Ah non, même sur. Oui, j'allais dire sur Dame A4, il y aurait même un coup comme Tour A3, Dame A8, enfin Tour A3 qui serait terrible parce que l'échange ne peut pas être évité. Alors que Fou prend Dame prend, le cavalier n'a pas accès à C4 tout de suite. Bon, ça serait très fort, hein. Ou Fou prend Dame prend Tour A4. Et derrière, vous faites torturer, effectivement. Alors, Le cavalier restant, ouais. très fort. Donc là, Ok, A3, Tour A4, c'est quelque t'avais chose. mis A3 ici, sur fou Sur Fou C8. C8, A3, ouais. Parce qu'en fait, le pion A4, il peut des fois Donc, ok, être une surprise, il va solution. jouer, j'imagine, quelque chose comme dame E2, quoi. Hein, et Ouais, dire dame E2 qu'est-ce qui se passe et après, quoi. comment augmenter la pression. C'est pas évident. Et même dans ce type de position, il y a des, ouais, je vais dire, Pardon, ouais. il y a des situations où vous pourrez presque tenter de préparer un tour B5 pour essayer de tout fermer un moment, voir si Ah, vous. ouais, ok. C'est de verrouiller tout. Avec l'idée de sacrifier et de faire C-prend, C4, et peut-être. Bon. À voir. Ok. Vous n'êtes pas obligé toujours d'aller à ces extrémités-là, mais il y a des moments, si vous voyez que ce plan fonctionne, vous êtes sûr que l'adversaire ne
pourra pas améliorer puisque voilà. Alors, Jérémy qui Et propose de mettre la dame en A6. dame en A6, mais pareil, elle Dame va E2, peut-être ouais, il fait manquer, dame E2. d'une pièce. Et Oups. c'est pour ça qu'ici, il y a un très joli coup qui a été proposé, je crois. Il était C'est trouvé A3. par Emmanuel et Nochad, hein. C'est ça. Minimum, peut-être d'autres. Ce que j'aime Donc. bien avec A3, c'est que vous empêchez l'adversaire de jouer A3 et vous libérez A4. Parce que si vous imaginez un plan idéal pour attaquer la faiblesse en C4, du coup, Il faut une tour, ouais. il faut le cavalier le fou et il vous manque une troisième Ouais. pièce. Et cette troisième pièce. Et là, on peut mettre la fameuse troisième pièce. Et lui, il n'arrive pas à mettre trois pièces en défense, hein. C'est ça qui est un problème Du pour lui. coup, ce qui est intéressant, c'est que des exemples comme ça, c'est plutôt rare. D'habitude, vous avez le classique cavalier A5, voilà. Mais là, c'est assez Ah, c'est beau pour parce ça qu'il que. essaie de sacrifier encore la qualité pour tenir la position, ouais. Parce que s'il faisait rien, il allait juste perdre le pion après fou, là. Ok. Donc là, finalement, il tente le blocage, mais petit à petit, hop, il y a eu la prise de la qualité pour essayer de Ah, c'est pas bloquer, bloqué mais ça finalement. suffit. Ah ouais. Alors. Et maintenant, il se Alors, reprend un sacrifice de qualité au dernier coup de la partie. voilà. C'est mignon. À ce moment-là, on a souvent tendance à dire, ouais, c'est un sacrifice, on met de gros guillemets, puisque Ah, ouais, c'est un voilà, c'est. sacrifice contrôlé. Ouais, et tout en contrôle. Alors, c'était une question de Pierre. Est-ce que ça s'envisage de faire C6 pour essayer de tout casser? Alors, le problème, dans certains cas, si on veut pas, si on peut pas passer, ça peut s'envisager, mais les blancs peuvent laisser la tension et c'est prendre D5, il reprendrait du pion C. Qui Il va lui dédoubler. impliquerait sur les fous, ça dédoublerait. Peut-être. Ça, Enfin. On. C6, Ouais. Faudra ouais, voir si on a C4 c'est C4. Mais libéré le pion l'action jusqu'à B6 ce moment. va être très Voilà. fragile dans tous les cas ici. Ouais. Et le fou va se réveiller. Et voilà, faut faire gaffe parce que les blancs, ils peuvent aussi commencer à doubler sur la colonne et te dire, bah, ok, je t'attends. Dès que tu joues C6, tu as un gros problème sur B6. Et finalement, ton roi, après C6, sur la 7e, il peut être assez fragile. Ouais. Comme je t'ai dit, si tu joues C6, c'est tout ton complexe sur case noire qui est fragilisé. Si B6 tombe, C5 tombe quasiment. Et si C5 tombe, Ouais, ça fait trop. c'est. Tout s'écroule. Alors heureusement, pour gagner, si tu es en interclub, que ton capitaine te demande de gagner, bah, tu as le coup A3 qui te permet Ouais. de pouvoir protéger ton adversaire sans prendre ces risques-là. Mais je suis d'accord, des fois c'est délicat hein, de vouloir à tout prix gagner, de tenter un coup comme C6 et de devoir tendre la main 10 coups plus tard. S'est mal Ça passé. arrive. Voilà. Donc voilà. Et je crois que de mon côté, c'est bon. Eh ben, Comme c'est superbe, condensé. Antoine, Non, je l'ai ça, tu l'es pas soumis, il y aura t'inquiète. d'autres, voilà, il y a d'autres choses, hein. Il y a des parties commentées comme Spassky Fischer que vous avez dans la base. Il y a plusieurs parties différentes commentées sur différentes variantes. Voilà, je vois du F3, je vois du Sur Dame les C2, variantes principales de répertoire. du A3. Oui, à noter d'ailleurs que vous avez aussi une base répertoire. Pour savoir quoi jouer à peu près sur les grands systèmes des blancs. Donc Antoine vous a préparé aussi une base. On n'a pas le temps de montrer parce que ça prend trop de temps de montrer toutes les variantes, quoi jouer sur tel truc. Mais vous avez donc ça et vous avez des parties commentées sur différents thèmes et différentes variantes, a priori. Voilà. Dans la base. Vous allez avoir tout ça dans la base PGN. Et on va essayer aussi de refaire comme on avait fait pour la partie espagnole, des pages, une page mémo, voilà, sur. Les grandes idées à retenir, ou quand c'est un répertoire, bah, qu'est-ce qu'il faut jouer sur telle variante, voilà. Donc vous aurez tout ça, vous aurez des exercices aussi, trois exercices, et voilà. Et on a fait le tour de ce répertoire. Je vais montrer juste un petit, très petit récap sur les thèmes principaux que Antoine vous propose pour dessiner, voilà, la physionomie des éléments stratégiques de ces Nimzo indiennes. Alors, oui, je rajoute juste un élément. C'est vrai que si on prend la Nimzo dans sa globalité, il y aurait plus de déséquilibre. Les déséquilibres concernent la Nimzo, mais surtout le répertoire que je vous propose. J'ai ciblé les déséquilibres qui seront les plus utiles à travailler, bien sûr, sur mon répertoire. Ok, ce sera bien sûr dans le lien, le fameux lien que vous avez dans la description de toutes les masterclass, hein. Donc s'il faut faire plus là pour le voir, c'est le dernier lien qui est dans la description, c'est un lien qui finit par 61. Voilà, sinon d'ailleurs sur le site de la FFE, quand vous allez sur le site de la FFE, en haut, vous avez une rubrique qui s'appelle Documents.
et vous allez dans Masterclass en replay. Et vous avez tous les documents, vous pouvez télécharger. Voilà. Tout ça. Et donc les trois déséquilibres sur lesquels Antoine avait insisté par rapport à ce répertoire-là, c'est les pions doublés, donc les pions faibles, et la question de la structure de pions, le duel fou-cavalier, casser la paire de fous, fermer la position éventuellement, et trouver des avant-postes pour les cavaliers. Et le désavantage d'espace avec ces trois règles, donc échanger des pièces si on peut, trouver des bonnes ruptures et trouver des cases faibles. Voilà, trouver des cases faibles d'ailleurs qui marchent aussi bien dans le... Puisqu'on avait dit avant-poste, ouais. Aussi bien dans le 2 que dans le 3, ouais. Voilà, les règles, des fois, on retombe sur l'une ou sur l'autre. Et quand on a des cases faibles, ça va souvent inciter l'adversaire à faire des échanges, donc aussi. Ok, ça marche, Pierre. Pierre qui part à la mi-temps. Avant qu'on bascule sur l'Est indienne pour la deuxième moitié de cette masterclass. Donc, bien sûr, vous aurez le replay. Et effectivement, Emmanuel, hein, c'est ce qu'on a parlé en début de masterclass, on fête aujourd'hui même les 100 ans de la création de la Fédération française des échecs. C'était le 19 mars 1921. Et donc, vous avez une superbe exposition avec plein de thématiques et vous pouvez ouvrir des articles qui sont en dessous du diaporama. Sur le site de la FFE, vous avez ce diaporama. N'hésitez pas à cliquer sur le titre pour après accéder aux différentes expositions, aux différents articles. Voilà, et bien on va basculer sur l'Est indienne. Donc, je vais mettre Est indienne. Voilà, je vais centrer ça. Et je vais par contre faire une petite manipulation technique pour récupérer le bon échiquier. Donc je vais juste vous remettre en attendant le sommaire de la soirée. Voilà, comme ça vous savez où on en est. Et moi, je vais aller récupérer le bon échiquier pendant ce temps-là. Ça vous fait une petite respiration. Et ça devrait être pas mal comme ça. Alors, je redimensionne très légèrement. Voilà, je crois que c'est pas mal cadré. Et je pense qu'on est prêt, on est en place pour partir dans cette aventure de la défense est indienne. Alors on y va. Donc la défense est indienne, qu'est-ce que c'est? C'est une défense contre D4 qui commence également par cavalier F6. Bah, les deux défenses nîmes indienne et est indienne, c'est deux des plus grandes défenses contre D4. Donc après C4, au lieu de partir dans la direction de la Nîmes indienne et ses cousines que vous avez vues avec Antoine, avec E6, on va partir de l'autre côté et on va jouer G6 pour préparer l'arrivée du fou en fianchetto. Cavalier en C3, fou en G7. Alors à noter qu'il y a une autre très grande défense hyper moderne également, c'est la Grünfeld. Et c'est quand les noirs jouent D5 ici. Et là aussi les noirs décident de laisser le centre aux blancs. Ce qui est une conception qu'on appelle hyper moderne, parce que la conception classique, c'est de prendre le centre. Et donc ce serait par exemple D4, D5, le gambit de la dame refusé, c'est la conception classique. Voilà. Toutes les parties de D4, D5, on peut dire, c'est les conceptions les plus classiques, de l'école classique. Cavalier F6, ça entame beaucoup de défenses que Tartakover avait nommées les défenses indiennes. Et donc on a la Nimzo indienne, Est indienne, Ouest indienne et quelques autres indiennes. Vieille indienne. Voilà, C4. G6, d'ailleurs, en parlant de vieille indienne, c'est l'occasion de dire que avant, ça jouait pas mal de vieille indienne avec D6, cavalier BD7, E5, fou E7, petit roque. Et on s'est rendu compte, à force de jouer ces positions, qu'après, le bon plan, c'était de faire tour E8, remettre le fou sur F8, faire G6, fou G7. Et donc, ben, l'Est indienne, ça gagne 3 temps sur la vieille indienne, donc on s'est dit, ah, c'est plutôt une bonne idée.
À noter que c'est une des ouvertures les plus Nouvelle récentes. sévère, voilà, Ouais. effectivement. On peut dire que c'est une vieille indienne améliorée de 3 temps. Mais pour préciser quand même que cette ouverture est assez récente dans l'histoire des échecs, elle est arrivée seulement dans les années 1940. Et au début, elle avait très mauvaise réputation. Donc de jouer fou G7 comme ça et de laisser les blancs mettre 3 pions comme ça au centre. Les penseurs théoriques comme Tarrasch par exemple ne devaient pas voir ça d'un très bon œil. Et toute l'école hyper moderne comme Nimzowitsch, Réti, eux ils avaient envisagé de jouer de manière différente et de laisser l'adversaire mettre ses pions au centre pour le contrer ensuite. Voilà, et donc la position principale de la scène elle arrive ici après D6. Bon, sachant que petit roque c'est aussi un coup tout à fait possible, mais souvent ça peut transposer. Ce serait juste une option de jeu si les noirs veulent essayer de faire C6 D5 par exemple, qui est intéressant, hein, mais qui est assez mineur par rapport à la théorie. Donc D6, et on a cette position, voilà. Et il faut dire plusieurs choses pour pas mélanger l'Est indienne avec d'autres ouvertures, parce que je vois souvent des joueurs ou des élèves qui confondent les ouvertures entre elles. Donc déjà, j'expliquais que la Grünfeld c'était avec le pion en D5, donc ça a rien à voir. Il y a juste les deux premiers coups qui sont communs, et après ça va quand même beaucoup beaucoup changer. Ensuite, avec quoi elle est souvent confondue l'Est indienne? Avec la défense Pirc. Et il y en a vraiment des fois qui appellent la pirque l'Est indienne ou l'Est indienne la pirque. Et c'est vrai que la différence est très petite parce que c'est juste le pion qui a sauté de C2 en C4. Voilà. Et à la fois, c'est que un pion qui a une position différente, à la fois, ça change énormément de choses, la simple présence de ce pion par rapport aux stratégies des deux joueurs et à la philosophie de jeu des deux camps, on peut dire. Surtout des blancs, en fait. Donc, qu'est-ce que ça change? On peut montrer la pirque, hein. C'est sur E4 la pirque. Donc E4. D6, D4, cavalier F6 attaque le pion, cavalier en C3, et donc le pion reste en C2, et G6. Voilà, c'est ici que la pirque apparaît sur l'échiquier. Donc effectivement, du côté des noirs, on se dit c'est pareil, c'est les mêmes coups. Mais c'est chez les blancs que ça change, et le fait que ce pion soit encore en C2, ça permet aux blancs de gagner un tempo pour se développer plus vite et monter des attaques plus vite pour essayer voilà, de bousculer le roque des noirs. C'est plus rapide. Et aussi, on a un pion qui est encore en C2 qui peut mieux contrôler le centre plus tard si besoin, avec se mettre en C3 pour bloquer la diagonale. Quand on remet la position d'Est indienne, les blancs ils ont sorti une pièce de moins et ils ont leur pion qui a avancé. Donc leur pion D4 est plus fragile et la grande diagonale aussi est plus fragile. Donc les noirs ils vont essayer de jouer là-dessus dans certaines variantes. Et les blancs en échange, ils ont quelque chose quand même. Ils ont ce qu'on a dit au départ, c'est-à-dire un méga centre avec l'espace. Ils ont plus d'espace. Et même, c'était une grande question théorique qui dure depuis un siècle, on peut dire pratiquement, un peu moins. Est-ce que c'est raisonnable, avec les noirs, de laisser tout l'espace comme ça aux blancs? Est-ce que c'est pas une stratégie trop risquée, ne serait-ce que d'un point de vue théorique? Alors, du point de vue théorique, la question reste ouverte. Les débats continuent. Il y a encore des joueurs qui jouent l'Est indienne par correspondance. Donc, je pense qu'ils sont pas non plus. Ils sont pas fous, ils savent un peu ce qu'ils font. Sans ressources, ouais, c'est sûr. Voilà. Et d'un point de vue pratique, de toute façon, l'histoire a montré hein, que c'était complètement jouable. Voilà. Alors, les noirs, ils font une stratégie de case noire, on peut dire, puisque avec ce fou, ils vont essayer de viser le pion en D4. Et donc, ils vont jouer soit E5, soit C5. Alors, bien sûr, ce sera après avoir ranké. C'est les deux coups qu'on rencontre beaucoup. Alors, le plus classique, ça va être E5. Plus dans l'esprit est indienne, et si on joue avec C5, ça va être plus dans l'esprit Benoni. Voilà. Alors, nous on va surtout parler de l'est indienne ce soir. Donc, cavalier F3, qui est coup hyper logique, c'est pas du tout le seul coup des blancs, il y a plein d'options. On en dira un mot à la fin, les différents schémas de jeu. En fait, ce que je trouve hyper intéressant dans l'est indienne, c'est le nombre de schémas différents qu'on peut rencontrer aussi. Donc, beaucoup beaucoup de variétés avec des plans qui peuvent être différents selon les ouvertures. Donc il peut y avoir du fianchetto, il peut y avoir l'attaque des 4 pions, il peut y avoir la sémiche avec F3, pour citer quelques grands systèmes. Et puis à l'intérieur de l'Est indienne, il y a plein de systèmes, notamment des systèmes avec H3, pour des fois carrément jouer le pion en G4, ou plein de systèmes avec le fou en G5, système Averbach, ou la famille des Averbach, qui dissuade le coup E5. Voilà. Mais Donc. d'ailleurs, pour préciser, ce n'est pas au hasard que les blancs aient autant de systèmes, c'est que justement, en jouant l'Est indienne avec les noirs, on laisse quand même un gros centre. Et le fait de laisser le centre donne plus d'options côté blanc. Ils peuvent se permettre plus de systèmes. S'ils jouaient un système un peu moins ambitieux, ils n'auraient pas autant de souplesse, on va dire. Oui, ils sont pas bousculés là, c'est sûr que par rapport
Ce qu'ont fait les Noirs pour l'instant, les Noirs les laissent tranquilles. Hein. Donc ils peuvent effectivement s'organiser comme ils veulent et de différentes façons. On va avancer un peu dans le système classique. Cavalier F3, petit roc, fou en E2. On fait les coups les plus logiques ici pour les Blancs, c'est-à-dire sortir le cavalier, sortir le fou et préparer le petit roc. Donc vraiment, c'est le plus classique et c'est la variante principale. Et là, comme j'expliquais, les Noirs, ils ont plusieurs options. Ils peuvent jouer en mode Benoni avec C5. Donc sur D5, E6, c'est de prendre. En D5, mettre une tour sur E8, ça c'est les schémas de Benoni. Voilà. Il y a des coups de cavalier comme cavalier BD7 pour jouer E5. Ou même cavalier A6 aussi avec l'idée de jouer E5. Et après, quand ce pion va avancer ou prendre, on aura accès à la case C5. Et là, on retrouve un peu la case C5 de l'animation indienne. Et puis, on a voilà surtout ce coup principal E5. Et là, on arrive à une grande position. De l'Est indienne. Alors, j'essayais de mettre deux raisons pour lesquelles l'Est indienne était une ouverture si populaire depuis si longtemps au niveau des joueurs de club. Donc j'en ai mis deux. Premièrement, parce qu'il y a plein de positions où on peut monter des belles attaques sur le roi, et on aime toujours attaquer un roi aux échecs et faire des mats. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est que l'Est indienne, c'est pratique parce qu'on peut jouer le schéma Est indienne aussi bien contre D4 que contre l'anglaise, que contre cavalier F3 au premier coup. Et ça, c'est assez pratique quand même pour faire un répertoire avec les noirs. Même s'il y a des différences à l'intérieur après. Et peut-être qu'on pourrait dire la troisième raison, c'est que des grands champions comme Bobby Fischer ou Garry Kasparov ont aussi joué des belles parties d'Est indienne. Il est vrai que j'ai pas mis de partie de Kasparov dans cette base, mais clairement, c'était un des joueurs qui a beaucoup popularisé cette ouverture. Et il a fait des très belles parties. Voilà, sinon, parmi les joueurs qui ont vraiment été les premiers, c'est Najdorf, donc il aimait bien jouer des variantes tranchantes, Gligoric et Petrosian. On peut citer ces trois-là, voilà, parmi d'autres. D'ailleurs, il y a une variante qui s'appelle Gligoric, une variante qui s'appelle Petrosian. Il n'y a pas de variante qui s'appelle Najdorf, mais ça aurait pu. Hein. Voilà. Alors, petit roc, c'est le coup normal, mais il y a plein d'options. Dès à présent, les blancs, ils ont des options comme la variante Gligoric, justement. C'est très malin d'essayer de pas roquer trop vite. Pour pas donner l'adresse du roi trop vite et essayer de peut-être de piéger les noirs de cette façon-là. Et les noirs qui ont des options de jeu, dont une qui est assez compliquée avec cavalier G4 et le fou attaque la dame, et ça se complique assez rapidement. Il y a la variante d'échange, qui est pion 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 prend. Pour le coup, c'est un peu plus calme. Ça échange les dames. Et les blancs jouent fou G5 avec l'idée cavalier D5. Voilà, qui serait assez menaçant parce que ça joue sur le cavalier cloué et. Sur la menace qu'il va les prendre en C7. Donc là, les noirs doivent faire quelque chose contre cette menace. Ils ont plusieurs coups, ils ont C6, ils ont la tour qui peut bouger. Ils ont peut-être encore d'autres coups. Donc voilà, c'est important de la prendre parce qu'on peut se faire surprendre à un moment par cette variante. D'un point de vue théorique, elle n'est pas très dangereuse pour les noirs, mais il faut savoir comment s'organiser. C'est assez simple à jouer pour ceux qui veulent pas subir Ouais. d'attaque. Donc en pratique. Avec les blancs, si vous savez pas trop quoi faire, ça peut être une idée. Et puis il y a la Le variante problème de Petrosian. tout simplement. Pardon? Je sais pas, dans le chat, on dit qu'il y a un problème de son à un moment. Un problème de Est-ce son. que est-ce que tout le monde m'entend bien? Alors, tout a l'air OK au niveau de mes voyants. Je ne sais pas si tout le monde nous entend tous les deux. N'hésitez pas à nous faire un retour. Il a parlé, mais pas de son. On t'entend bien ici, désolé, non. Oui, bon pour moi, oui, on entend bien. Ah, donc les autres, ça a l'air de marcher, peut-être C'est si juste c'est. Skip qui a perdu ton micro. Alors ça, c'est quand même pas de chance parce que Ah. c'est très curieux. Bon, a priori, c'est pas trop grave puisque c'est plus Sylvain qui va parler. Ouais. Ah, peut-être c'était très temporaire. Ok. Espérons. Donc D5, variante Petrosian, voilà qui est une autre option de jeu. Et le cavalier est en B8, c'est la différence avec la grande variante. Et ça, le cavalier est plus loin de l'attaque, plus loin de l'aile roi. C'est plus difficile pour lui d'accéder. Même s'il fait cavalier D7, il a du mal à accéder. Donc ça donne un jeu plus stratégique. Qui affectionnait Petrosian. Voilà, et la grande variante, on va y arriver avec petit roc. Cavalier en C6, donc pression sur le pion D4. Là, il y a une autre option de jeu qui est fou E3 pour enlever cette pression. Il faut noter que si les blancs font pas attention, ils subissent la pression. Après, pion prend, cavalier prend, et cavalier prend E4 avec le réveil du fou de Fianchetto. Et en 4, cavalier prend en C6, prend en C3. Voilà, et les deux dames se font attaquer, sauf que la différence, c'est que les noirs ont gagné un pion. Ce qui incite les blancs ici à
enlever la tension avec pion D5 et le cavalier vient sur E7. Et on atteint la fameuse variante Mar del Plata. Je crois que c'est le nom d'une ville argentine, mais j'ai pas vérifié. N'hésitez pas à donner l'info si vous l'avez sur le chat. Et à partir de là, c'est une des positions les plus étudiées de l'histoire d'échecs, on peut dire, au niveau théorique. Et vraiment, c'est complexe. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités pour les deux joueurs. Et c'est surtout ça qui va nous intéresser ce soir en termes de plan. Alors voilà pour l'introduction. On enchaîne avec les plans. Voilà. Alors pour lister un peu ces plans, je me suis aidé des chapitres qui sont dans le livre de Mauricio Flores Rios, le grand maître. Donc je vous montre le livre. Hop, voilà, comme ça. Les structures de pions aux échecs, dont En je parle plus, tu souvent, as... qui est un super livre de 500 pages. Voilà, là c'est la version en plus en français. Et qui décortique les plans des principales ouvertures, des principales structures surtout, échiquéennes, parce que finalement, les structures, on peut rencontrer une même structure dans des ouvertures différentes. Donc une fois qu'on a les bons plans qui correspondent à la structure, eh bien, on est capable de les retrouver ou d'y penser. Alors, ça c'est la structure des indiennes. Donc on se met du côté des noirs, mais bien sûr, on va voir aussi plein d'exemples qui vont être bien pour les blancs. C'est aussi ce que j'ai voulu faire dans cette présentation, parce que souvent, quand on parle des indiennes, on montre plein de variantes où les blancs se font mater. Et j'imagine ceux qui jouent D4 au premier coup doivent se dire, bon ben j'en ai marre de voir des présentations sur les indiennes parce que c'est tout le temps échec et mat pour les noirs. Donc j'ai mis à la fois T'as même des. pas envie de jouer côté blanc, c'est sûr. Et puis ça laisse croire aussi peut-être que c'est facile pour les noirs de mater ou quoi, alors que c'est pas le cas. Donc c'est bien de présenter les deux côtés. C'est aussi ce qu'il fait très bien dans le livre. Il met des exemples où les blancs gagnent, des exemples où les noirs gagnent dans les différents chapitres qu'il aborde. Voilà. Donc on va se mettre du côté comme ça des blancs pour être un peu plus objectif pour dire les plans des deux joueurs. Donc c'est la structure vraiment la plus. Bah, c'est celle de Mar del Plata hein, où les blancs ont avancé en D5. Et donc c'est une structure qui est très riche avec beaucoup de plans pour les deux joueurs. Merci à Safari qui nous dit que c'est une banlieue de Buenos Aires. Mar del Plata. Ok, super. Donc les plans des blancs pour commencer. Donc le plan le plus grand et le plus puissant, c'est de réussir à faire pion en C5. Après, si on a fait ça, on aura deux options de jeu qu'il mentionnait ici en plan 1 et 2. C'est la première, c'est prendre en D6 pour ouvrir la colonne C. Après, c'est de s'infiltrer chez l'adversaire par la colonne C avec une tour notamment. Les cavaliers qui viennent souvent, un cavalier qui vient souvent en B5 pour pressuriser le pion en D6, le pion en A6, peut-être s'infiltrer en C7 lui aussi. Ou bien une fois qu'on a joué C5, on peut aussi envisager, c'est très intéressant, de jouer pion C6, parce que malgré le fait que le noir puisse répondre B6, on va se rendre compte que ça ne bloque pas complètement la position. Et après, les blancs, ils auront le plan A4 A5 pour essayer de débloquer tout ça. Les noirs, ils ne peuvent pas bloquer à coup sûr, puisque s'ils font A5, il y aura encore un autre levier qui va arriver avec B4. Voilà. Alors, donc ça, c'est vraiment les deux grandes idées des blancs, c'est pousser C5 et soit prendre, soit pousser. On va avoir plusieurs exemples. Ils peuvent combiner ça avec un coup de défense très malin, c'est essayer de mettre le pion sur G4 pour retarder, voire bloquer si possible, l'attaque des noirs sur l'aile roi. Voilà. Sinon, sur F5, un des plans des blancs qu'on rencontre de temps en temps, c'est cavalier G5, cavalier E6 pour s'échanger contre le fou et après prendre avec le pion ce qui libère la case D5. Ça, c'est un grand plan, surtout dans la baïonnette. Alors, si ils peuvent, c'est échanger les fous de case blanche. Ce serait génial pour les blancs d'échanger les fous de case blanche parce que ça réduirait fortement l'attaque des noirs. Ce fou, le fou en C8, c'est une pièce fondamentale pour l'attaque des noirs. Alors, une fois que les noirs font pion F5, une option de jeu pour les blancs, c'est de prendre sur F5 pour essayer de gagner la case de 4. Sachant que si un pion sur G6, les noirs, ils ont deux options de jeu. Reprendre avec une pièce. Et laisser la case de 4 et jouer sur d'autres concepts comme la colonne F ou la case D4, ou prendre du pion pour essayer de garder le pion. Après quoi, les blancs, ils auront soit F3, soit F4. On verra si on a le temps d'en parler de cette structure. Le dernier plan, c'est de jouer avec par exemple une sémiche et de jouer avec grand roque. Voilà, là j'ai mis le roi sur G1 parce qu'il est presque toujours sur G1. Mais aussi, il y a la sémiche où les blancs peuvent essayer de faire grand roque et ça modifie profondément la nature du jeu, puisque cette fois, c'est les blancs qui vont essayer d'attaquer sur l'aile roi. Ok, maintenant les plans des noirs. Donc clairement, le grand levier, et on l'avait aperçu dans certaines positions d'Antoine, de Nîmes-Indienne, c'est F5.
Et ensuite, le grand plan, c'est pousser F4, puis G5, puis G4, et si possible, G3 ou G.F3 F3, et finalement atteindre le roi. C'est le plan principal, c'est aussi sans doute le plan le plus passionnant. Sinon, il faut pas être borné, voilà, il faut pas se dire c'est mon seul plan. On peut parfois prendre en E4 et obtenir du jeu comme ça. Ça, c'est une autre façon de jouer. Un autre plan qu'il mentionnait, c'est H5, H4 et essayer de passer le fou qui est en G7, on rappelle. J'aurais pu mettre le pion G6 d'ailleurs ici, dans la structure. Sur H6, le fou peut se réveiller sur H6. Voilà, c'est important de le savoir. Sinon, une autre façon de jouer, c'est essayer de faire C6, éventuellement prendre en D5, qui peut mener à différentes structures. Ou C5, c'est encore une autre option, ça fait beaucoup d'options, pour essayer de retarder l'expansion, puisqu'on a dit que le plan des blancs c'est C5, faire C5 avec les noirs, c'est tout à fait intéressant. Donc voilà un peu un panel de plans pour les deux côtés. Je voulais compléter. Alors, Oui? ce que tu as dit, c'était assez juste par rapport à C6, C5. Par contre, il faut savoir que quand vous jouez C6, vous devez avoir des raisons plus concrètes pour justifier de jouer dans le secteur où l'adversaire a l'avantage. Parce qu'il ne faut pas oublier que si vous jouez C6, C prend D5, ben, l'adversaire, après C prend, ben, il a plus de chances de profiter de la colonne C. Voilà. Donc, la rupture quasi la plus récurrente, c'est F5, puisque faites la rupture très souvent à côté de votre pion le plus avancé. C'est là où vous avez le plus d'influence. Votre structure de pion vous guide sur l'aile roi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais penser à C6, évidemment, mais quand vous jouez C6, vous devez être un peu plus en alerte, vous dire, je joue quand même dans le secteur où les blancs sont plus influents. Voilà, normalement, on regarde de quel côté on doit jouer, effectivement, tu fais bien de le mentionner Antoine, et donc comme je l'avais souvent mentionné dans les masterclass, on regarde dans quelle direction pointent nos pions centraux. Et donc nos pions centraux, ils pointent vers son roi, vers l'aile roi, et ses pions centraux, ils pointent vers notre aile dame. Et ça va être le secteur fort pour les noirs et pour les blancs. Et effectivement, dès qu'on joue sur le secteur fort de l'adversaire, on prend des risques, on s'expose potentiellement. Mais voilà, des coups comme C5 pour essayer de retarder beaucoup le jeu des blancs, ou des coups comme G4 pour essayer de retarder beaucoup le jeu des noirs, c'est ce qui rend aussi vraiment hyper intéressant ces positions d'Est indienne, puisque bah, par un coup paradoxal, finalement, des fois aussi on voit du Oui, A5 qui est très malin par la théorie, ou des coups comme ça, par un coup paradoxal qu'on ne nous conseillerait pas selon la logique de faire, eh bien, on peut parfois retarder beaucoup les plans de l'adversaire. Merci à Chess c'est la Alice beauté pour. du jeu d'échecs, d'ailleurs. Ouais. Merci à Chess Alice qui nous dit que le tournoi de Mar del Plata est un tournoi d'échecs organisé en Argentine depuis 1928. Superbe. 1928, quelques années après la création de la FFE en 1921. Alors, bien, parmi les pionniers, j'ai cité Miguel Najdorf, argentin. Et en 1953, au fameux tournoi des candidats de Zurich, eh bien, il avait joué ça à la ronde 4 contre Taimanov. À l'époque, c'était vraiment les tout débuts de l'Est indienne. On peut dire. En tout cas, au plus haut niveau, clairement. Et il y en a eu quelques-unes en 53 dans ce tournoi des candidats des Est indiennes. Je vais vous montrer déjà une chose à pas faire, que j'ai mentionnée dans les plans. Admettons cavalier E8, cavalier D3, pion F5, donc les noirs qui viennent chercher leur levier, fou en D2. Donc si pion F3, on joue pion F4, et allez, on y va, on joue pour G5, G4, on va ramener les cavaliers, et c'est parti. Mais si les blancs jouent fou en D2, qui est un coup intéressant, ici il faut faire très attention, parce que le joueur non averti peut se dire, bon bah j'y vais, hein, je fais mon plan, je joue pour F5, F4, et je vais balancer mes pions. Et ici, se prendrait un coup terrible stratégiquement. Ce serait fou G4. Et il se ferait échanger en force sa pièce qui est fondamentale pour son attaque. Avec, contre le mauvais fou, qui était quand même bien gêné par les pions des blancs, ici. Et vraiment, c'est une très mauvaise opération stratégique et ça risque de contrecarrer complètement le plan de jeu des noirs ici. Donc là, les blancs qui prennent un avantage sérieux. Le fou C8, important de rappeler que c'est une des pièces les plus utiles pour l'attaque des Noirs. Ouais, on va le voir tout à l'heure En valeur d'ailleurs. relative, il vaut plus que 3 points ce fou. Voilà, on verra une partie où ces fous s'échangent en début de partie. Alors, cavalier D7. Donc ça, c'est le coup plus classique joué par Najdorf. Il y a eu fou E3, pion F5, pion F3. Donc là, il n'y a pas de problème, il peut faire pion F4, attaque le fou repart, pion G5. Et on atteint une des positions les plus critiques de l'Est indienne.
avec les deux joueurs qui vont dérouler leur attaque sur leur aile. Donc cavalier en D3 a été joué par Tamanov. On rencontre beaucoup le coup moderne tour C1. Et après cavalier G6, pion C5, le sacrifice de pion pour ouvrir la colonne plus vite. Pion B4, le cavalier par ici. Cavalier B5 avec l'attaque sur A7 et la pression sur C7. Avec une position très intéressante à étudier et à jouer. Ça, c'est la version plus moderne. Sinon, un autre coup qui est intéressant, c'est G4. Et là, on joue sur le terrain des noirs. On leur dit, bah non, je veux pas que tu fasses G4 trop facilement. Après, ça peut continuer souvent avec H5, tour F6, tour H6. Mais c'est pas aussi facile que dans les scènes plus classiques pour les noirs de monter une attaque. Cavalier D3 a été joué dans cette partie. Il y a eu cavalier F6. Une autre façon de jouer, c'est passer la tour. Cavalier F6, pion C5, cavalier G6, tour C1, tour F7. Voilà, une idée qui était arrivée dans les années 50. Donc il veut protéger la case C7, puis libérer la case, enfin en même temps libérer la case pour le fou, pour protéger bien le pion D6 qui peut se faire attaquer par les blancs, et après passer la tour sur G7 pour préparer la poussée G4 et l'attaque sur le roi. Donc c'est une superbe idée qui a beaucoup été jouée depuis. Qui est toujours joué de nos jours. Tour en C2, fou en F8, pion prend D6, pion prend D6, dame D2, pion G4. Voilà, maintenant que la dame ne surveille plus. Les blancs doublent les tours. Et pion G3, un sacrifice de pion thématique qui est très souvent rencontré dans ces estes indiennes. Donc les noirs qui veulent ouvrir l'aile roi et ne pas laisser les blancs voilà, dérouler leur jeu. Hein, le jeu qui était très fort ici pour les blancs avec les deux fous qui pointe vers l'aile dame, les deux cavaliers qui peuvent intervenir et les deux tours, la dame. Donc G3, c'est pour bousculer un peu tout ça. H prend, pion prend, fou prend. Et ça continue typiquement. Cavalier H5 attaque le fou repart. Et fou E7, voilà, avec le fou qui veut essayer de venir sur G5. Alors il a gagné une super partie, Najdorf. On va pas regarder tous les détails, je vais juste vous montrer quelques coups qu'il a fait. Cavalier B1, fou D7, dame E1, fou G5. Voilà, son fou revit. Cavalier en D2, fou E3 échec, le rêve du joueur d'Est indienne. Roi H1, dame G5, il a les super compensations ici. Le fou défend G2, il double ses tours. Les blancs ne savent plus trop quoi faire. Pion B5, pion A6, du coup il a une position assez stable. Tour G7, cavalier H4, voilà, il amène tout le monde près du roi. Et là, regardez le coup qu'il a trouvé. Fou H3, vraiment je trouve qu'il approche toutes ses pièces le plus près possible du roi. Il n'y a que la tour F8 qui participe un peu moins, quoique parfois elle puisse peut-être se sacrifier sur F3. Donc il a ses 7 pièces à l'attaque. Donc c'est spectaculaire, toutes ses pièces à l'attaque. Et donc il ne peut pas prendre ici avec les blancs, parce qu'il se prendrait sacrifice de dame. Dame G1, fou prend, tour prend échec, roi H2 et cavalier prend F3, fourchette royale, échec et mat. Voilà. Joli mat, le premier de la série, et dans la partie il a pu placer un autre sacrifice. Cavalier prend G2, fou prend G2, fou prend G2, dame prend G2. Donc il a sacrifié une pièce et il joue dame H4. Et la dame qui peut pas repartir à cause de la fourchette royale par le clouage. La dame qui n'a pas de case à part F1 ou E2 ici, et donc il a sacrifié sa dame. Et ensuite les noirs ont gagné la partie quelques coups plus tard. Voilà un petit Time of Najdorf candidat 1953, les débuts de l'Est indienne au plus haut niveau, on peut dire. On va corriger l'exercice des réseaux sociaux. Donc une mention spéciale pour Rémi qui posait la question tout à l'heure et qui avait trouvé le premier coup. Donc c'est une partie qui a été jouée en moins de 16 ans, championnat d'Europe en 2011. On va aller tout de suite à la position critique. Voilà, on voit que les deux joueurs ont beaucoup beaucoup avancé. Les blancs ont un pion en B6 qui est au contact des pions sur la case départ des noirs là. Et puis les noirs, ils ont réussi à amener pion en G3. Donc chacun a avancé à fond. De son côté, les blancs, ils ont leur pièce à fond sur l'aile dame et les noirs essaient de placer plutôt sur l'aile roi. Les blancs, ils ont joué fou prend F8 ici. Et il y avait une autre partie d'ailleurs que je vous ai mis dans une parenthèse où Roussel Rosemont, le Canadien, avait joué fou G1 contre Charbonneau et après cavalier H4, tour E1, eh bien, il avait subi le sacrifice cavalier prend en G2. Voilà, les noirs qui peuvent souvent frapper sur G2. Et après, roi prend G2, c'est la tour qui arrive sur G7. On retrouvera cette idée peut-être tout à l'heure si on a le temps dans une partie de Nakamura. Mais l'exercice des réseaux sociaux, c'était ici. Que faire
avec les noirs. Alors, si vous ne l'avez pas vu et que vous regardez en replay, eh bien, n'hésitez pas à mettre la pause pour chercher le coup des noirs. Ok, on nous dit que la partie Time of Nashdorf est analysée sur la chaîne Blitzstream, a priori. Si j'ai bien compris. Merci pour l'info. Alors, ça veut sacrifier le cavalier. Ouais, bravo Safari. Bravo Safari. Il s'agit effectivement de ce coup. Et Rémi l'avait trouvé également. Donc bravo Rémi. Il s'agit de cavalier prend E4. Alors là, le problème c'est que si on joue calmement, les blancs ils sont tout de suite en train de faire pion prend C7, puis D6, puis amener leurs pièces. Enfin, c'est vraiment une bonne position pour les blancs. Et donc là, on a l'occasion. Parce qu'on a le pion sur G3. Et qu'il n'a pas son fou qui peut revenir sur G1 pour l'instant. Mener une attaque de mat, tout simplement. On va libérer la diagonale pour amener la dame, pour menacer dame, prend, pion, échec et mat. Et on a toujours notre fou, et on va voir que c'est très important pour mener l'attaque. Donc après cavalier prend E4 par exemple, la dame débarque sur H4, menace mat, obligé pion H3. Et là, et c'est pour ça, et Antoine vous le disait tout à l'heure, on a besoin de ce fou. C'est une pièce fondamentale dans l'attaque. S'il n'était pas là, ce serait un peu tendu de continuer l'attaque ici avec les noirs. Mais il est là et on fait fou prend H3. On se sacrifie bien sûr avec l'idée. Puis on prend, dame prend et échec et mat. S'il fait roi G1 pour pas subir ce mat, on continue à sacrifier. Et bien sûr, ça va mener au mat. Voilà. Alors là, c'est vraiment une des attaques les plus classiques qu'on peut faire d'Est indienne. Donc je vous ai mis cette position. J'en profite pour mentionner le livre dans lequel j'ai trouvé cet exercice. C'est un livre que Antoine m'a recommandé. C'est un très bon livre. Où est-ce qu'il est? Alors, je l'ai mis là, je pense. Voilà. Hop. Donc ça, c'était les structures de pions, Flores-Rios, voilà. Et puis, c'est un livre assez récent de Lundt et Skytte. Vraiment, en plus, une approche originale avec plein d'exercices tactiques classés par niveau. Donc, il y a à peu près 130 pages de théorie. Mais ils essayent surtout d'être généralistes. Et après, ils partent plus sur des exercices. C'est leur approche, en fait. Et ils conseillent de répéter les exercices. Je trouve que c'est une approche très intéressante. Voilà, donc je vous recommande ce livre. On revient. Et donc, cavalier prend E4. Dans la partie, il y a eu fou C5. Pour essayer de revenir sur G1. Donc, très important ici d'enlever le fou. Et il y a eu abandon. Des blancs parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution maintenant pour gérer Dame H4. Voilà. Alors que Hervé donne une autre référence. Merci Hervé, c'est Ftachnik Svitan 1997. Il nous parle également du livre de Smirin. Et il y a une quinzaine d'années, je pense, ou une dizaine d'années, il y a eu le livre de Bologan aussi qui faisait référence. Moi, j'étais resté il y a une vingtaine d'années sur un livre de McDonald, peut-être, quelque chose comme L'Est indien entre les mains de Kasparov ou quelque chose comme ça. Pas mal de livres sur l'Est indien, bien sûr, ouverture très populaire. Vous avez beaucoup de littérature sur le sujet. Hop. Alors, on a beaucoup martyrisé le roi noir. On va le faire encore une fois dans cette partie, avant de retourner l'échiquier et de voir des parties qui se passent mieux pour les blancs. Alors, une autre partie typique, voilà. On va peut-être pas passer trop de temps parce que les idées sont bien connues. C'est la partie qui montre dans son livre, Flores-Rios, une des parties qui montre sur cette structure. Il n'en montre pas énormément. Donc, nous, on a fait cavalier D7 tout à l'heure, c'était Time of Nashdorf. Là, c'est cavalier E8, fou E3, F5, F3, F4, fou F2, H5. Donc H5 qui dissuade éventuellement les blancs de jouer G4 hein, ici parce qu'ils n'auraient pas très envie de la capture et de la création du pion passé. C5, les blancs qui vont sur leur L. G5, tour C1, cavalier G6, prise, prise. Cavalier B5, A6, cavalier A3. Donc si vous faites attention, c'est pas par exemple avoir un cavalier en D7 et se prendre un coup comme cavalier A7 et se faire attraper le fou d'attaque. Hein. Voilà, ça faut faire très attention. Donc là, on aurait fou D7 encore, donc ça va. Cavalier A3, donc il a envie de revenir sur C4 pour venir chercher la case B6 notamment, donc B5 pour empêcher. Cavalier revient en C2, il vient chercher la case C6. Cavalier F6, cavalier B4, pion G4. Voilà, les noirs qui réussissent à avancer de l'autre côté. Cavalier C6, dame E8. Et donc c'est une position très importante, très critique de la partie. Et les blancs qui ont réussi à mettre un cavalier en C6, c'est une belle réussite.
Sauf que c'est une question comment continuer. Ils vont avoir besoin de A4, normalement. Et sachant que même s'ils arrivent à le faire, c'est pas censé être l'attaque incroyable qui fait très très peur aux noirs. Par exemple, il n'y a pas des pions passés déjà qui débarroulent côté L-Dame pour les noirs. Sur les noirs. Et là, il va faire une idée. Alors, Flores Ríos, voilà, il dit que c'est une croyance chez pas mal de joueurs d'échecs que on peut facilement arrêter l'attaque en faisant ce plan qu'ont fait les blancs dans la partie avec Roi H1. Apparemment, Andersen, 2479, Elo, était également de cet avis. Donc, il a joué Roi H1, qui était une erreur. Il aurait dû faire A4. Voilà, continuer son plan. Ça peut être souvent des courses de vitesse. Hein. Et sur G3, jouer fou B6 et essayer de rien toucher comme ça. Il a joué Roi H1. Il y a eu G3, donc sacrifice de pion. Et là, au lieu de prendre, on avait vu cette idée déjà dans la partie précédente de Time and Off. Il a joué fou G1. Et sur pion prend. Il s'est dit fou F2, voilà, et il a essayé d'appliquer ce plan en disant bon ben ce pion me sert de bouclier, finalement, le roi est tranquille, il est derrière le bouclier, et je remets mon fou ici et je crains pas grand-chose. Ça a l'air Voilà. astucieux. Ouais, en fait, c'est vraiment malin, et bon, l'auteur alerte sur le fait que c'est pas quelque chose qui tient si facilement que ça. Et d'ailleurs, dans cette partie, les noirs ont pu monter une belle attaque avec H4, très bien joué. En fait, le plan, c'est cavalier H5, cavalier G3, et c'est le plan décisif parce que on peut croire que ça va se bloquer, mais en fait, non, parce qu'il y aura toujours le levier H3 qui va rester sur l'échiquier, et ça va débloquer la position de manière terrible. Voilà, donc ce plan est décisif. Il y a eu cavalier en D3, cavalier H5, roi prend H2, bon, ben voilà, c'est un peu trop tard pour jouer de l'autre côté maintenant, parce qu'il y aura cavalier G3 échec, et donc sur fou prend, F prend, bien sûr, pour garder. Le levier H3 qui va faire très très mal. H6 en plus, fou H6 qui peut revenir, Ouais, le c'est fou va se terrible. réveiller. Ouais. C'est terrible. Est-ce que ça sera nécessaire, mais c'est toujours beau Si besoin, ouais. de voir que le fou Le réveil du dans fou, l'estadienne est capable. ouais. Roi prend. Cavalier G3. Tour G1. Tour F7. Voilà. Une idée qu'on peut mentionner, c'est mettre la dame sur D7 pour placer H3. Prendre et essayer de placer dame H3. Tour F7. D'ailleurs, Oui. il est juste intéressant de rappeler en plus que voilà, ce cavalier en sixième, il est un peu spectateur. Oui, il a une certaine activité, mais au final, il ne dérange pas plus que ça le camp des noirs. Ce cavalier, il préférait être en sixième rangée en E6, par exemple, bloquer le fou, quitte à donner un pion, Ouais. que là où il bloque la colonne. Bon, Oui, il c'est n'est vrai pas que. si utile que ça. Ouais, Il non, n'est il pas sert pas trop mauvais, grand-chose. mais bon, Ouais, concrètement, ici, on sait pas cavalier trop en ce qu'il fait. sixième. Il gêne quelques cases, mais c'est tout. Ouais. Effectivement, je vois que aux discussions sur le livre, effectivement, le livre de Cotronias qui fait aussi référence. Ouais, tout à fait. Tout à fait, Antoine. Fou B6, fou F6, cavalier F2, et pion H3 qui devait arriver. Il aurait pu aussi faire tour H7 pour le préparer. Puis on prend H3, tour B7 intermédiaire, le fou s'en va, tour H7, fou F1 pour essayer de protéger. Fou H4, il pouvait aussi faire cavalier H8 avec l'idée cavalier F7, cavalier G5, et regardez, il venait chercher l'attaque sur H3 et F3. Fait fou H4 qui était très bien également. Il y a eu fou G2. Et là, petit exercice pour vous. Qu'est-ce que vous jouez? Vous avez les noirs. À vous de trouver le coup. Comment on va préparer l'attaque finale? Sachant que la position est tellement bonne qu'on a sans doute plusieurs façons de mener l'attaque. Les blancs qui sont un peu effectivement en retard sur l'aile dame, qui n'ont pas trop déclenché des hostilités, ils n'ont même pas encore fait A4. Alors, je vois pas trop de dame D7. Alors, comment on va faire par contre après? Parce que c'est bien protégé tout de même pour l'instant. Peut-être qu'on peut commencer par dame D7. Est-ce qu'il va pas faire cavalier B4 et essayer de nous embêter avec tour C7? Ouais, c'est une source Cavalier supplémentaire. prend, cavalier prend. Tsug. Même ça, c'est Faire gaffe intéressant. à pas lâcher la case F6 un moment aussi. Ah oui. Ouais, c'est un peu peut-être Et que le fou va devoir qui partir. pêche. Ouais, si on avait prévu d'amener le fou, c'est peut-être ça va nous embêter, peut-être. Sinon, l'idée était pas mal. Cavalier H5, en tout cas, vous avez l'idée d'enlever ce cavalier, et ça c'est bien.
Cavalier H5, c'est un peu dommage car c'est dans le passage de la tour, mais lui a fait cavalier F5. Voilà, très joli. Et ça lui a permis de gagner la partie en quelques coups. Donc son idée, c'est de libérer la case pour le fou. Bon, il attaque le cavalier également. Il y a eu pion prend. À noter que les autres coups n'aidaient pas. Il a pris sur F2. Pion prend, donc il sacrifie la pièce. Dame prend. Et là, il y a trop de pièces à l'attaque. Il n'a même pas besoin de la tour à 8 pour finir l'attaque. Il y a eu dame F1. Bon. De toute façon, ça allait être maintenant tous les cas. Dame là. Roi H1. Et là, il a fait le petit coup sympathique, roi F8 pour pas se retrouver cloué avec sa dame. Et donc, il prépare le coup fou prend H3 qui ne peut plus être évité. Il y a eu cavalier prend E5, tentative désespérée. Ça change rien. Fou prend. Un échec de consolation, comme souvent. Et roi E8, abandon. Parce qu'il a compris qu'il pouvait plus éviter le mat. Voilà. Menace d'ailleurs, fou prend G2, échec double mat. Oh, la petite histoire ou d'enlever. Alors je crois que ce qui est rigolo, c'est que s'il fait un échec sur E, on doit pouvoir faire fou contre échec et le mater derrière. Voilà. Voilà, Simon qui voulait faire cavalier F1. Mais il y avait encore le cavalier qui tenait H3, Simon. Ouais. Et la dame aussi éventuellement au pire. Ouais. Ok. Allez, voilà, bon ben on a bien martyrisé le roi, maintenant on va quand même voir des positions où ça se passe mieux pour les blancs. Être objectif. Ouais, alors on a dit, c'est très important de garder le fou C8 avec les noirs. Et pour une illustration de partie où ça se passe mal pour les noirs, eh bien l'auteur a choisi une autre ouverture, qui est une berlinoise, mais qui va retomber en structure S-indienne. Et ça c'est aussi quelque chose qui me plaît dans son approche au niveau de son livre. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à une partie que j'ai jouée à Capelle contre un grand maître, je crois que c'était contre Plachetka. Et il m'avait fait exactement la même thématique. C'était dans une espagnole également. Et il m'avait fait ça. En fait, regardez, les blancs, ils font D5 pour chasser le cavalier et échanger les fous de cases blanches. Et c'est la structure d'est indienne. Il va y avoir C4 qui va arriver. Donc fou E3, petit roque, pion C4. On a notre structure d'est indienne, les noirs. On sait qu'il doit faire F5, les blancs, on sait qu'il doit faire C5. Les plans sont connus, mais il n'y a plus les fous de cases blanches. Et là, ça va faire toute la différence. Et Azarov, il va se faire plaisir dans cette partie. Il y a eu H6, cavalier FD2, F5, F3. On est dans les mêmes séries de coups, hein, les mêmes enchaînements. Juste, il n'y a pas les fous de cases blanches. Pion G5. Donc, très intéressant pour voir la différence. Cavalier en C3. Bon, à noter qu'il ne faut pas aller trop vite avec B4 parce que comme on n'a pas fait cavalier C3 qu'on fait d'habitude dans l'est indien au début de partie, là on pourrait se prendre A5 et le pion qui est censé préparer la poussée C5 ne peut plus se maintenir parce qu'on ne peut pas faire A3 parce que notre tour n'est pas protégé. On se prendrait A prend B. Donc il fait cavalier C3. Bon, bien sûr, il tombe pas dans un piège aussi grossier. Cavalier G6. Le coup A5 était mentionné, mais bon, ça va aller A3. Ah oui, je vais vous montrer cette séquence quand même. Cavalier G6, B4, B6. Cavalier A4, et les blancs qui doivent essayer de débloquer la situation sur l'aile dame. Prise, prise, H5, C5, voilà. Prise, prise, dame E7, C prend D, cavalier C6, okay, C4, pardon. Et c'est l'avantage pour les blancs ici. Les noirs qui n'arrivent pas vraiment à faire G4 ici, juste la dame surveille. Cavalier G6 a été joué dans la partie, pion B4, cavalier F6, pion C5, tour F7, cavalier C4, voilà, classique. Fou F8, A4. Tour en G7 qui se prépare. Et C6, j'avais mentionné ce plan tout à l'heure. Et erreur des noirs, B6, alors qu'on a l'impression que c'est logique de fermer l'aile dame. Il fallait plutôt prendre, même si après pion prend, dame C8, cavalier D5, ça reste un peu avantageux pour les blancs. On voit qu'ils ont quand même des belles perspectives sur l'aile dame. Il y a eu B6, c'était assez naturel pour les noirs d'essayer ça. Sauf qu'après le levier A5, ça fait très très mal. Et après ce coup, tout simplement, les blancs ont une position totalement gagnante. Il y a eu tour B8, on peut montrer une belle variante, c'est H5, cavalier B5, G4, et là le sacrifice cavalier prend C7, qui va faire écrouler les pions noirs de l'aile dame. Donc, problème sur dame prend, il y a pion prend, et on retrouve le clouage sur la colonne, c'est terrible. Donc tour prend. A prend B, A prend B, fou prend. Et ça va très très mal se finir. Voilà, deux pions passés liés ici pour les blancs. On peut essayer d'avancer plus tard. Tour B8 a été joué. A prend B, cavalier B5. Très beau placement des cavaliers qui se préparent à frapper sur les différents pions de l'adversaire.
beaucoup d'options envisageables pour les blancs, en termes de sacrifice. La dame essaye de remplacer le fou, mais bon, elle va pas trop y arriver. Tour A7, tour en 7ème rangée, pion G4, mais un peu tard. Roi H1 simplement, pour pas rester en face de la tour. Tour A8. Et là, exercice pour vous. Que faire avec les blancs? Je vous invite, si vous regardez en replay, à mettre la pause pour chercher le coup. Et en direct, j'attends vos réponses tout de suite. Bonne soirée à Lucas. Allez, maintenant c'est pour les blancs. Les blancs qui ont une magnifique position et qui peuvent déjà préparer la conclusion. Même c'est pas une conclusion qui va être aussi rapide que quand les noirs ils attaquent et qu'ils font un mat. C'est une conclusion qui va être plus longue mais tout aussi efficace. Bravo, Safari. Safari qui sent bien les positions d'est indienne. Alors, dame A1 proposée par Emmanuel, je pense que c'est un bon coup. Je pense que ça mène aussi un très net avantage. Mais là, il s'est rendu compte qu'il pouvait frapper tout de suite avec tour prend C7. Bravo. Tour prend C7, sacrifice de tour. Cavalier prend fourchette. On va récupérer une qualité. Dame là, cavalier prend. Et sur dame prend, on prend encore le tour. Donc, on lui prend toutes ses pièces. Donc, il a enlevé sa tour. Et il est revenu sur B6. Et donc ici, il a juste gagné deux pions qui sont passés liés. Donc c'est énorme. Une autre super variante que je pouvais montrer, c'est sur H5 ici. Il y avait fou prend B6. Une autre façon de d'écrouler la position adverse. Pion prend. Cavalier prend D6, attaque la dame. Prise, prise, attaque la dame encore. Dame bouge, on échange les tours. Échec. Et regardez juste le résultat du sacrifice, c'est qu'il y a deux pions passés liés en sixième rangée et les noirs peuvent abandonner ici. Voilà, donc ça c'était en Les 4-2. noirs, non, voilà, ils n'ont plus d'attaque du tout, donc ils ont perdu l'initiative. Ouais, le Je cavalier comprends même complètement. qui est placé, qui nargue un peu les noirs qui n'ont plus leur fou là pour l'éliminer. Voilà, donc tour prend C7, bon ben il a écroulé la position et c'était assez facile pour lui. Mais je veux quand même montrer une petite chose. Donc les noirs ont dû sacrifier la qualité pour arrêter le pion là qui est en train de se promouvoir en dame. Donc forcément ça enlève leur attaque. La tour était censée attaquer ici. Dame en C1, dame en A7, dame C2, échec. Roi prend pion tranquillement. La dame tente de venir. Alors attention, menace mat en 2 quand même. Donc même dans l'est indienne, même quand ça a l'air désespéré, il faut se méfier d'une dernière attaque de mat. Dame C8 pour défendre, parce que si on fait fou prend, on se fait avoir par pion prend, roi là, dame là, on croit qu'on s'en va et on s'en va pas. Et on est mat. Donc voilà. Attention, il n'est jamais trop tard pour se faire mater dans l'est indienne quand même. Donc il y a eu dame C8, abandon, puisque maintenant la dame couvre ici sur H3 et il y a juste trop d'avance matérielle pour les blancs, une qualité et un pion. Voilà pour cette belle partie de Azarov. Donc, vous voyez que quand il n'y a pas les fous de cases blanches, surtout pour les noirs, ça leur manque énormément. Pour les blancs, ça leur manque un peu pour leur attaque, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et surtout, ils sont tellement contents qu'il n'y ait pas le fou en face. Voilà. Alors, ouais, je me disais bien qu'il y avait une partie qui avait sauté. La dernière partie que je voulais vous montrer, qui était vraiment belle, alors on ne pourra pas passer trop, trop de temps dessus, on pourra la reprendre plus tranquillement, mais vraiment, je résiste pas à vous la montrer parce qu'elle est tellement écrasante pour les blancs. C'est Van Veli qui a fait une super partie au modèle ici aux Olympiades avec les Pays-Bas en 2004 contre Krylov qui était dans l'équipe IBCA. IBCA, c'est une équipe de joueurs qui ont un handicap. Alors, je sais plus exactement lequel. Peut-être c'est les joueurs aveugles, IBCA. Peut-être le B, c'est Blind. International Blind Chess Association, je pense. Ok, G3, cavalier H5, C5. Voilà, alors là c'est le moment critique de la partie. Les noirs, voilà, un joueur quand même 2400 Elo, joue F4. Il se dit, bon bah voilà, c'est l'est indienne, je vais F4. Et c'est une erreur qui va s'avérer fatale dans cette partie, de manière assez intéressante. Il devait jouer cavalier F6 et jouer pour le plan avec la prise en E4, le plan que j'ai mentionné plus tôt. Ouais. Prise, prise, B5, F prend E4, cavalier prend E4. Voilà. Et les noirs, ils ont la colonne F,
Ils ont leur fou qui est plutôt une bonne pièce pour essayer de jouer sur les cases blanches. Le pion D5 est fragilisé. Donc position équilibrée ici. Lui a préféré faire F4 en bon vieux style destin d'Yann et il va payer très très cher son erreur de jugement. Cavalier en C4, cavalier en G8. À noter qu'il ne peut pas faire G5 parce que son cavalier est en prise. Il fait cavalier G8 pour essayer de le faire. Les blancs qui envoient A4 un très joli coup parce qu'il attaque sur l'aile dame, mais aussi il peut utiliser sa tour latéralement sur la deuxième rangée pour défendre. Le cavalier vient là, tour en A2, et là il se dit, il avait sans doute prévu de faire G5 pour continuer à avancer ses pions, et il a peut-être pas vu qu'après pion prend, cavalier B5, il allait perdre ce pion parce qu'il ne peut pas faire cavalier E8 comme il pourrait faire de temps en temps parce qu'il aura l'autre cavalier en prise. Donc c'est la catastrophe, le pion D6 s'écroule et après ça écroule peut-être le pion E5, tous les pions, quoi, tout le centre. Donc il fait cavalier E8, c'est pas très réussi, tour en C2, fou en D7, et là le coup clé des blancs. C'est G4, il ferme l'aile roi. Il n'était pas obligé, mais il s'est dit que c'était une très très bonne idée. Et comme une erreur n'arrive jamais seule, les noirs aggravent leur situation qui est déjà très critique. Ils devaient faire G5, et après B5, H5, H3, les blancs n'ont pas de problème particulier, la tour couvre bien en plus latéralement en défense. Mais lui, il fait H5 d'abord, et il se prend G5, cavalier H7. H4, et maintenant c'est complètement bloqué au niveau de l'aile roi. Sa dernière chance, ce sera un sacrifice vraiment spéculatif de cavalier, mais avec une tour qui peut facilement venir défendre le fou. Il n'y a pas de problème ici pour les blancs, il n'y a pas d'attaque en fait, simplement. Donc, cette position, Juste, ouais. il arrive que des fois, malgré ce sacrifice, les blancs, ils mettent le roi au centre, roi F2, roi E2, et Ils les peuvent tours blanches finalement se posent sur H et peut-être G, et partir, ouais. les pions. Et attaquer, ouais. Ouais, donc ici, il est juste condamné avec les noirs. Il peut rien faire. Donc c'est énorme avantage d'espace en plus sur les deux ailes avec les blancs. Donc ça m'a rappelé la partie Capablanca Trébal, qui était une de mes parties modèles pour montrer la domination avec l'espace. Et là, il va juste. Donc ça va être long, mais juste infernal pour les noirs. On retrouve cette idée de C6. On retrouve B6. À noter la variante. Hyper esthétique sur B prend C6, cavalier prend C6, dame D7, tour H2, menace fou H3, gagne la dame et bonne chance pour trouver une case pour ta dame. C'est assez terrible. Ouais, il doit jouer tour Bien illustré F8. le désavantage Ouais, d'espace ici, ça c'est sûr, avec les il est pièces embourbé blanches. avec ses pièces, il n'a pas de case pour son cavalier par exemple pour essayer de récupérer la case pour sa dame. Donc, Et catastrophe. ce qui est drôle, c'est que le K C6, qui a quelques parties, était pas très Ouais. utile, comme on le mentionnait, et ici très Ici, il fort enlève parce vraiment des que. cases. Ouais. Donc B6, cavalier C4, pion A6. Alors les noirs, ils se disent, sur B5, je vais faire A5. Sur A5, je vais faire B5. Et je vais pouvoir fermer l'aile, donc peut-être que je vais survivre. Et en vérité, ils ont tellement peu d'espace que les blancs vont pouvoir organiser leurs pièces vraiment comme ils veulent et dominer la partie. Alors je vous montre rapidement comment il a fait. Il manœuvre tranquillement, il met son fou sur E1, il enlève son roi. Fou F2, fou D3. Et voilà, il y va. Et après A5. La question que j'ai pour vous sera une des dernières questions pour ce soir. À votre avis, quel est le plan de gain pour les blancs? Ici, Van Veli, bien sûr, il n'aurait jamais fait B5 s'il n'avait pas compris que ça gagnait. Est-ce que vous avez le plan de gain pour les blancs? Il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs, mais bon, est-ce que vous arrivez à en trouver un? Oui, c'est un peu dans l'idée de la Makagonoff Safari, effectivement. De faire G4, ouais. J'ai pas trop compris, Samuel. Ouais, donc bien sûr, ça va se passer sur des sacrifices, effectivement. Voilà, donc il y en a qui veulent prendre en B6, il y en a qui veulent prendre en A5. Ça va se passer dans ce secteur exactement parce que ces deux pions sont très faibles, difficiles à tenir pour les noirs et les blancs peuvent les attaquer de nombreuses fois différentes. Il va préparer un sacrifice de cavalier sur A5, il va juste diriger le deuxième cavalier sur B3 pour pouvoir sacrifier sur A5 et ça va juste faire écrouler la position adverse. Il a gagné cette position en 18 coups. Il n'était pas pressé mais c'était tranquille, il a fait ça. Fou F1, dame E1, il prépare tour A3. Et
cavalier prend, sacrifice, pion prend, cavalier prend. Voilà, la dame sur E1. Donc il a pris deux pions pour la pièce et surtout, regardez les pions qui vont avancer ici. Il a été astucieusement faire tour à 3 pour qu'elle soit protégée par le cavalier pour pouvoir avancer encore plus facilement. Les noirs qui sont complètement désespérés tentent un sacrifice qui ne marche pas. Pion prend, dame prend, pion A5. La dame doit revenir sur D8. Pion B6, c'est complètement gagnant pour les blancs. Il y a eu prise, prise, tour prend, cavalier prend, pion G5, dame B4. Voilà, il veut faire B7, simplement. Il a même profité pour faire fou H4, pion B7. Fou prend et nouvelle dame qui arrive sur l'échiquier. Voilà une partie qui se passe bien pour les blancs dans l'Est indienne. Et donc la plus grosse erreur finalement, c'était quand il a fait F4 ici. Et après, quand les blancs ont pu fermer l'aile avec G4. Et après, il n'y avait aucune chance. Donc on a vu deux situations où les noirs avaient quasiment aucune chance de combattre. C'est quand ils n'avaient pas leur fou de case blanche. Ou quand l'aile roi se fermait complètement. Sur ces là, normalement, qu'ils ont leur jeu. Voilà. Je veux juste montrer un diagramme. C'est Magnus Carlsen en 2010 à l'aveugle contre Aronian. Il a une position ressemblante. C'était cette position. Il avait les noirs. Aronian a joué G4. Et là, au lieu de faire F4, qui aurait mené finalement à la partie précédente de Van Veli avec un avantage complètement gagnant pour les blancs, Magnus Carlsen, il a compris qu'il ne pouvait pas faire F4 dans ces positions. Et au contraire, il va faire C6, recherche un levier de l'autre côté. Donc il y a les leviers sur l'aile roi, il y a les leviers, maintenant un levier supplémentaire sur l'aile dame. Et après roi G2, il fait B5 et il crée encore un autre levier et il martyrise le centre blanc. C'est pas facile de martyriser un centre d'Est indien. Et là, il l'attaque de tous les côtés, finalement. Il a trois pions qui attaquent le centre adverse. Par exemple, il ne peut pas prendre ici parce qu'il va perdre le pion en D5. Il y a eu pion B3 de Aronian, mais il n'y a pas n'importe qui en face, hein, c'est Aronian. Pion A5, cavalier F2. Et c'est lui qui prend l'espace à l'aile dame, donc du jamais vu dans l'Est indienne. Hein. Cavalier A4, fou B7. Tour C1, erreur de Aronian. Il y a eu FE, pardon, FE, CD, CD. Et là, eh bien, non, FED, pardon. Bon, ça serait revenu au même. Et là, eh bien, c'est pas les blancs qui sacrifient une pièce sur deux pions, c'est les noirs. Et Magnus Carlsen, il fait cavalier prend D5, pion prend D5, cavalier prend D5. Menace fourchette royale, roi G1, pion E4, peut-être le coup qu'avait oublié Aronian au début. Menace pion E3, menace d'arriver avec le fou en D4. Et après cavalier prend, il a fait échec. Il est obligé de mettre sa tour sur F2 pour pas se prendre des coups comme par exemple roi G2, se retrouver en face du fou en B7 et se prendre des sacrifices comme tour prend F3, cavalier F6. Et regardez le fou qui est réveillé. Voilà. Donc il a fait tour F2 et puis après tour prend F2. Il était très mal, il a fait cavalier prend. Et il n'a pas pu résister à cette attaque. Voilà. Donc super partie de Carlsen. Alors je vous l'ai montré en vitesse. Hein. Je ne voulais pas m'attarder sur cette partie. Par contre, vous avez vu la différence entre le joueur précédent, 2400 Elo, qui fait l'erreur de jugement en poussant son pion sur F4. Et Carlsen, qui au contraire, qui arrive à prendre l'espace sur l'aile dame. Et à la fin, c'est lui qui peut sacrifier et jouer sur le roi quand même. Donc c'était spectaculaire comme différence. Voilà. Bon, ben on a à peu près Ça fait le peut tour être quand même de. assez, assez. En plus, le fait qu'il joue à l'aveugle, c'est Ouais. rigolo de mettre autant de tension sur le centre. Il y a plein de prises à calculer à Ouais, c'est l'aveugle en génial. plus. Non, mais la partie, elle est Non, vraiment excellente qualité, quoi. Voilà. Bon, on n'aura pas le temps de montrer 100% de ce que j'avais préparé. On va juste montrer vite fait, voilà, ce que vous avez dans la base PGN. Vous pourrez le reprendre de votre côté. Donc, j'ai montré. Une partie, voilà, l'évolution de la structure avec quand les blancs font pion prend F5 et que les noirs reprennent avec G prend. Je veux juste montrer qu'après fou G5, tac, tac, F3, c'est un bon coup. On peut souvent jouer soit F3, soit F4 ici avec les blancs. Donc quand on joue F4, il faut se demander est-ce que E4 nous embête? Voilà. Si on se prend E4 dans les mauvaises circonstances, c'est pas trop réussi. Et je veux montrer juste le coup numéro 19, qui est un coup clé dans cette structure de pion. Avec les deux pions noirs ici. Donc déjà, je conseille plutôt avec les noirs de jouer avec les deux pions là, parce qu'ils contrôlent beaucoup de cases. Je vois souvent des joueurs qui reprennent avec une pièce en F5. Ça, c'est quand même un peu plus logique si on peut le faire. Par contre, les blancs, ils ont un coup thématique ici qu'ils doivent essayer de préparer. C'est G4, pour essayer de casser ce pion F5 et gagner la case de 4. Et là, en plus, ils accompagnent cette thématique avec la diagonale. Et donc, il y a eu une brillante victoire des blancs dans cette partie. Seule partie d'ailleurs dont je n'ai pas la référence. Je me demande s'il l'a inventée ou s'il n'a pas voulu citer les joueurs. J'étais étonné. C'est très rare qu'il cite pas la référence d'une partie dans son livre.
Ok, il y avait un affrontement entre Olivier Renet, grand maître français, et Yannick Guiri sur cette thématique. Et sauf que cette fois, c'était pion prend e4, cavalier prend e4, cavalier f5. C'est pas un pion f5, c'est un cavalier. Donc il y a les thèmes de cavalier d4 ici et un combat pour la case e4. Ça me fait un peu penser à certaines positions que tu as montrées dans l'animiso tout à l'heure. Antoine avec un gros combat pour la case, comme par exemple ici où on fait fou f5 avec les noirs pour lutter pour cette case. Voilà. Donc vous pourrez voir cette partie dans la base. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour conclure? Oui, alors voilà, les évolutions structurelles. Donc, dans son livre, il a 4 ou 5 chapitres au total sur l'Est indienne, avec des structures différentes. Donc, tout à l'heure, on a vu cette structure, c'est la structure principale. On a dit que parfois, il pouvait avoir C6. Et après, C prend D, C prend D, c'est une autre structure qui traite dans le livre, je vais la montrer, je crois, après. Le pion en C5, donc, qui n'est pas forcément facile à atteindre dans l'Est indienne, mais à tout moment, on pourrait dire les Noirs peuvent essayer de jouer C5, pourquoi pas? Et c'est une question, est-ce que les Blancs vont prendre en passant ou pas? Ça mène à un jeu différent. Et donc cette structure qui ressemble un peu, mais il y a le pion sur C5, donc ça enlève pas mal de possibilités. Et là, dans cette structure, juste une chose à noter, que les blancs, un de leurs plans, qu'ils font pratiquement pas hein, dans la structure classique des Stindian, là c'est un vrai plan de jouer F4, il y a une partie de Vojtašek, je crois, qui est très bonne là-dessus. L'autre structure, c'est celle dont tu parlais tout à l'heure, Antoine, avec C6, C prend D, C prend D. Et effectivement, dans cette structure, c'est avantageux pour les blancs parce qu'ils ont plus de facilité à s'infiltrer par la colonne ouverte. Et pour les noirs, c'est difficile parce qu'ils doivent essayer de jouer pour F5, mais s'ils délaissent complètement l'aile dame, ils peuvent se faire enfoncer par la colonne. Et voilà, finalement, c'est une structure aussi qui peut arriver par C5, C prend D, C prend D, où les blancs sont contents d'essayer d'envahir l'aile dame. Donc ça, c'est plutôt une structure avantageuse pour les blancs. Il montre une belle partie, Carlsen-McShane, je crois, sur cette structure. Il en montre plusieurs et il montre comme pourquoi cette structure est très forte pour les blancs. Ok, une autre structure, c'est quand il y a eu E prend D. Donc c'est plein d'autres variantes, hein. On a montré surtout la variante classique, mais dans plein de variantes, il peut y avoir E prend D ici avec les noirs et une reprise avec un cavalier. Et atteindre cette structure qui est une structure un peu de maroquinerie, hein, puisque les blancs contrôlent bien la case D5 et c'est pas si facile pour le noir de se dégager. Souvent c'est d'utiliser le coup F5 ou C6 D5, c'est pas facile à faire, ce serait bien. A6 B5 pour essayer de casser le pion C4. Et ça, c'est la structure la plus souple de toutes. Donc, on peut mettre le pion en C6 ou en C7, et ça peut mener à quasiment toutes les structures possibles et imaginables. Il peut y avoir l'échange en E5 de la part des blancs pour jouer cette structure. Il peut y avoir D5 qui va tomber dans une est indienne. Il peut y avoir après C5 qui va tomber dans celle qu'on a vue. Il peut y avoir C prend D qui va tomber dans une autre qu'on a vue. Les noirs peuvent prendre en D4 un moment. Ça peut tomber dans la structure, l'autre structure. Donc, et après D5, pion prend, il peut y avoir une reprise d'une pièce. Avec les blancs qui tombent dans une structure Najdorf, ou E prend pour tomber dans une autre structure Svechnikov, Svechnikov avec cavalier D5, qui était débat entre Caruana et Carlsen, championnat du monde il y a 2 ans. Donc en fait, cette structure peut quasiment mener à tout. Voilà. Bon, alors je vous avais préparé Nakamura, qui est vraiment, qui a fait des très belles choses. Vous pourrez voir les parties dans la base. Il a battu de manière brillante Gelfand et Wesley So. La partie contre Wesley So est très complexe. Vraiment un combat spectaculaire. Si je vous montre juste un diagramme, voilà, ici, pour montrer à quel point les blancs ont progressé au niveau de leur aile dame. Ils ont triplé les pièces lourdes sur la colonne C ouverte. Et malgré ça, Nakamura, après fou D7, a réussi à monter une attaque sur l'aile roi en avançant ses pions, en faisant H4 et en faisant F3 pour libérer le potentiel de ses pièces et il a gagné une brillante partie. Voilà, la partie contre Gelfand est géniale aussi, je vous la recommande chaudement. Et je vois que ça a sauté. Voilà, et j'avais encore préparé d'autres. Ah oui, l'arbre. Ah oui, bah alors là. Voilà, bon, bah, l'arbre, c'est là où je voulais vous montrer quelques variantes, mais on n'aura plus le temps de faire ça. Je vous ai cité les grandes variantes tout à l'heure. On pourrait citer énormément de choses. Voilà, donc les variantes de Fianchetto qui sont très importantes avec la panneau notamment. C'est quand les blancs jouent D5 et que cavalier vient sur A5 avec cavalier de C5. Ça, c'est une très grande variante. Il y a les variantes avec cavalier BD7 qui sont différentes. Il y a DC6, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais en tout cas, G3, on peut dire que c'est parmi les systèmes les plus solides côté blanc contre l'Est indienne. Pour justement essayer de ne pas se prendre trop d'attaques. Donc on a déjà parlé de la 4 pions, de la sémiche. Alors dans l'arbre, j'ai mis beaucoup beaucoup de systèmes. Il y a
Système avec Fou G5, système avec H3, c'est les Makogonov. Fou E2 avec Fou G5, c'est la Verbac. À noter que ici, les noirs ne peuvent pas faire le coup classique E5, puisqu'après, pion prend, d'un prend, cavalier D5, ils perdent la partie. Donc, ça, c'est important de comprendre que ça, c'est pas possible. Voilà. Il y a les Fous D3 avec cavalier E2, qui arrivent dans les années 90. Il y a cavalier G2 même qui existe. Il y a énormément de choses. Donc Fou E3 je l'ai cité, système Gligoritch. Alors là j'ai mis des références de parties de Kasparov, Anand, Polgar. La variante d'échange on l'a déjà cité. La variante Petrosian également. Ça continue souvent A5. Et puis il y a d'autres façons de jouer que cavalier en C6. Il y a cavalier A6, il y a cavalier D7. Il y a énormément de choses qui sont possibles. Voilà. Et puis en partant de la Mar del Plata, c'est le labyrinthe des variantes avec les trois coups des blancs qui sont l'attaque à la baïonnette, cavalier E1 ou cavalier D2, mais surtout cavalier E1 et B4. Voilà. Bah vous aurez encore quelques parties de modèles dans la base. Hein. Antoine, vous avez mis plein de parties de modèles. J'en ai mis aussi ici plusieurs. Aronian Nakamura, très bonne partie gagnée par Aronian avec les blancs. Believski, voilà, j'ai mis quelques victoires blanches. Pour équilibrer un peu, Belevski, bonne partie et super partie de Korchnoi contre Xiyun en 95. Vous la connaissez peut-être, il a fait une belle démonstration. Ben voilà pour l'Est indienne. On peut aller sur le petit récap de plan que j'avais mis ici. Sais pas si vous aviez des questions. En tout cas, c'est un sujet très riche, passionnant. Je vais continuer à explorer clairement de mon côté. Je vous invite à faire de même. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous écrire à l'adresse masterclass@ffechec.fr. Le récap, il est là. Voilà, j'ai récapitulé les plans dans cette structure classique d'Est indienne. C'est ceux que j'ai cités tout à l'heure. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est le moment. On a, comme prévu, un peu débordé, mais on n'a pas trop mal tenu les timings. Antoine a été bien tenu son 1 heure, et moi j'ai fait 1h10 à peu près. Voilà. Ce qui nous permet de faire une masterclass de moins de 2h30 pour pas que ça soit trop long. Je rappelle que tous les thèmes de toutes les masterclass sont indexés dans le lien qui est dans la description. N'hésitez pas à aller le voir. Si vous voulez travailler un thème en particulier, eh bien, il y a quelques chances qui se trouvent dans ceux qu'on a déjà traités depuis 36, 37 masterclass. Donc il y en restera deux, hein, des masterclass. Il y aura celle du 5 avril, juste avant les vacances de la première zone. Donc ça, on va se retrouver très vite, hein, ce sera dans 2 semaines. Et puis il y aura une dernière au mois de mai. Alors question de Nochat, pourquoi les FFE n'organisent plus des tournois sur l'e-chess comme il y a un an? Bah, le premier confinement, c'était un peu spécial. Donc, tout était à l'arrêt, puis c'était un vrai confinement. Hein. D'ailleurs, il y avait les écoles fermées. Donc, la FFE qui a organisé plus de choses, notamment des tournois. Mais maintenant, il y a énormément de tournois qui sont organisés sur l'e-chess. N'hésitez pas à regarder ce que font les clubs, les ligues aussi, des fois. Par exemple, la Ligue de Bretagne, que j'ai déjà souvent citée. Vous pouvez aller voir le site de la Ligue de Bretagne qui organise beaucoup de tournois. Et puis, beaucoup, beaucoup de clubs font des tournois. Il y a le TPG Besançon qui fait un tournoi avec une partie par semaine lente. Donc, des fois, c'est des tournois qui durent sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Des fois, c'est des tournois qui durent sur une soirée, un après-midi. Pour les filles, il y a la DNF aussi qui fait beaucoup de tournois. Par exemple, ce samedi à 16h, il y a un tournoi de la DNF en 10 plus 3. Énormément de tournois. Je mets une petite liste aussi sur le site de mon club, Échiquier des Lions, une petite liste de tournois. Mais vous en avez vraiment beaucoup. Vous avez accès à beaucoup de choses et ça, c'est chouette. Merci Chessalis. Bonne soirée. Est-ce que l'anglaise peut transposer dans l'Est indienne? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il peut y avoir plein de transpositions d'ailleurs d'anglaise et de rétille dans des Est indiennes. Est-ce que vous conseillez les livres de jeu dynamique et positionnel de Boris Gelfand? Oui, ce sont de très bons livres. Moi, j'ai adoré les deux. Surtout, je me souviens que j'avais dévoré le bouquin de Positional, la Ouais. décision stratégique. Pendant un Ouais. tournoi, j'étais en Espagne et au lieu de me préparer, j'avais dévoré le bouquin, je l'ai étudié le matin. Ok. Non, très très bon, mais c'est vrai que j'avais adoré
des issues Positionnel, positionnelles. ouais. Avec Rubinstein, squeezer l'adversaire. Ouais. Voilà, ben, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à partager la vidéo pour la faire connaître. Voilà, on a traité deux très grandes ouvertures du jeu d'échecs. Même si vous ne les jouez pas, en fait, je vous conseille de les étudier. Parce qu'elles sont très riches d'un point de vue stratégique. Et ça va vous faire progresser. Ça fera progresser votre compréhension échiquéenne d'étudier ces parties et ces ouvertures. Si vous les jouez, évidemment, vous allez plus vous plonger dans les variantes. Qu'est-ce que je dois jouer si on me joue ça, etc. Si vous ne les jouez pas, vous pouvez plus profiter de juste des parties modèles, regarder les plans, essayer de deviner les coups. Voilà. Et il y a vraiment de quoi faire. Une question de Alain, est-ce qu'il y a une grosse différence entre le Hello FFE et Hello Internet? Eh bien oui, il peut y avoir des grosses différences. Ça dépend des sites. En plus, les Hello sont différents selon les sites. Les classements commencent à 1200 sur chess.com par exemple et à 1500 sur Lichess. Donc déjà de base, il y a une différence de 300 points. Et Samuel qui dit, ça J'aime me bien donne ce que envie de tu jouer dis, ça. D4. Non, ben, c'est bien parce C'est que je vrai qu'il voulais... peut y avoir, pour certains, il peut y avoir énormément de, enfin, des différences de 300 à 400 points. Pour d'autres, ça peut être révélateur, mais oui, Pour c'est. d'autres, ça peut être à peu près pareil et d'autres très différents. Ouais. Voilà. Très bien, et bien, merci à tous d'avoir suivi. Merci pour votre participation active. Safari, on ne sait pas ce qui se passera après cette saison. On va déjà finir tranquillement cette saison. Puis après, il y aura une nouvelle. Enfin, il y aura une équipe FFE. Il y a les élections en avril. Donc, on ne sait pas laquelle des trois listes sera élue. Et donc, peut-être que la nouvelle liste voudra continuer ou arrêter les masterclass. On ne sait pas. C'est quelque chose qui a des bons retours au niveau des clubs, etc. Je pense que tout le monde trouve que c'est bien, donc j'imagine que ça a des chances de continuer, mais on ne peut pas lire le futur. Merci Olivier pour ton message. On essaye, voilà, c'est pas évident dans un temps court de présenter des choses qui sont aussi grandes, mais on essayait d'aller montrer des grandes idées. Donc vous pourrez retrouver tous les documents, bien sûr, sur le lien qui est dans la description. Et puis nous, on se retrouve dans 2 semaines, le 5 avril. Merci Antoine. Y a pas de quoi. Allez, très bonne Au soirée revoir à à tous. tous. Très bon week-end. Au revoir.